Et bonjour. Putain, je débarque là. J'ai oublié que j'étais là. Bois avant de... Avant que j'oublie. Allez. Journée de taf pour mademoiselle qui doit gérer plein de trucs. James, coucou. Ça commence comme ça. Ça commence à faire des fautes d'orthographe. C'est beau ça. Oh, c'est vrai, je dois aller. Oh là là, c'est terrible. Hop. Et bonjour, merci beaucoup. Ça va Thomas? Qu'est-ce que tu fais par là? Hop. Le ménage. Je devais le faire moi ce matin. Je devais le faire et au final j'ai eu deux vocaux, compris 4 heures, comme d'hab quand je fais des vocaux. Donc j'ai pas eu le temps. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, ça sera plus tard. De toute façon, je vis seule avec mon chat, donc au pire quoi, mon chat me gueule dessus. Balek. Quel enfer. Je parle beaucoup, moi. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, ok? Ah non, faut que j'aille de l'autre côté. Je suis quelqu'un qui... Oh, je peux pas courir. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, les vocaux avec moi, ça dure des heures. Parce que, oh, il y a ça à voir, oh, il y a ça à parler, oh, il y a ça à faire. Donc, voilà. J'avais des vocaux où bah, forcément on a parlé aussi pas mal de mon RP, etc. De la découverte du RP, parce que c'est vraiment... c'est mon premier personnage ever. Enfin, j'ai jamais fait de RP. Et ça fait, donc là, ça fait un mois. Et donc il y a pas mal de choses à discuter, à vrai dire. Il y a pas mal de choses à discuter. Est-ce que je peux passer par là? Ça me ferait chier de marcher et qu'en fait, je marche pour rien. Après, c'est pas grave, hein, mais c'est par là? Oh putain, je prends pas le bon chemin. C'est par là. Ah oui. Il est là. Ah, mais du coup, est-ce que je peux passer? Oui, j'ai l'impression. Donc voilà, donc les vocaux, 4 heures, moi, ça me paraît. Ça me paraît normal. Ça me paraît normal. Quand je vivais en Guyane, je faisais des visios avec ma famille qui pouvaient durer toute une après-midi, qui pouvaient durer 4-5 heures. Je prenais un dimanche entier pour faire une visio avec ma famille. Parce que c'est vrai que bah, voilà, je vivais loin, hein, forcément. Oh putain, je sens que je vais pas pouvoir passer. Oh là là, je me sens que je me suis fait couillonner. Oh là là, terrible. Ah non, peut-être là-bas. Et en gros, ouais, je faisais des longs vocaux et des longs... Après, bah... Bah fallait hein, je veux dire, j'ai vécu quand même 2 ans en Amérique du Sud sans voir la famille. Oui, c'était important quand même de. C'était quand même important de garder du lien avec la famille. Qu'ils aient pas l'impression que je les abandonne à l'autre bout du monde. La Tegen qui est là. Elle a choisi ce pantalon juste pour faire le concert hier soir, hein, le concert improvisé hier soir. Elle va vite changer ça.
Le calvaire. Mais oui. Ah, nickel. Je vous jure, j'ai cru que j'allais être bloquée sur ce, sur cette, sur cette terrasse. In the sunshine when she's gone, in a way, in the sunshine she's gone, they are all alone. Attends, le RP qui commence pas, tout ça parce qu'elle a pas été faire ses ITT hier soir, mais faut dire. Hier soir, vers minuit, 1h, Emilio l'emmène à l'hôpital. Il n'y a plus personne à l'hôpital. Ils nous préviennent qu'il y a une fête au Tequilala. Qui c'est qui retrouve au Tequilala? Tous les médecins de Lille. Complètement bourrés. Tu m'étonnes qu'elle a pas pu être soignée hier soir, du coup. Ils étaient tous beurrés, là. Voilà, quel enfer. En vrai, c'est les meilleurs moments. C'était super drôle de faire ce concert improvisé. Genre, si j'ai bien tout compris, ils ont appelé Emilio en mode « Ouais, t'as pas un artiste là? On est au Tequilala, on aimerait bien de la musique. Ah, vas-y, j'ai HM devant moi. Allez, let's go! » C'est genre improbable comme, comme moment. Et Thomas, on en parle de hier, l'arrivée des motards. L'arrivée des motards. Oh, je vais me faire écraser, 100%. Non, c'est bon. L'arrivée des motards à l'hôpital. Elle était pas bien, mais je vais me faire écraser. 100%. C'est bon, tout va bien. Bah oui, bah c'est... Ashmé, elle pensait pas, oui. Ashmé, elle était là comme ça. Elle entend du bruit au loin. Et c'est impressionnant quand tu vois toutes les motos en vrai. J'étais en mode waouh! Voilà, toutes les motos là, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'était cool comme scène. Ah ouais. Pourquoi il s'est fait engueuler? C'est une cata ça. Mais ouais, j'étais en mode ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok, ils arrivent tous. Ah, et puis Ben il vient me voir. Ah Du oui, matin ou d'accord. du soir? Bonjour. 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 Oh là là. Bonjour aussi. Comment ça? Oui, fraise à cheval, il y a eu un accident. Tu l'as fait? J'imagine tellement, bordel. C'est pas le moment, ok? Oh putain. Je suis en train de lire le message de Ruru sur les annonces. Ouais, bah oui, on était là. J'étais sur le. Ouais, je sais, je sais, je sais. Ça fait chier. Je comprends, enfin je comprends. J'ai du mal à saisir. En même temps, voilà, c'est leur choix. Mais c'est vrai que les lieux ont une telle symbolique que ça fait bizarre de se dire que les groupes ne seront pas dans ces lieux-là. C'est ça qui est étonnant en fait. Oh putain. Ah, je sais ça. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu Tu vas m'entends? bien? Ça va et toi? Oui. Je... Tu te poses la question de ce que c'est cette chose? Oui, alors déjà, ça a l'air Encore? vraiment chelou. Alors, ça, c'est le burrito hier. C'est des vannes de livraison qu'on vient de recevoir Ok. au
truc entreprise. Ok. Donc ça, c'était hier Ok. chez Sony. Ils Ok. avaient un burrito comme ça. Ok. Aujourd'hui, les burritos ont un joli stickers et on en Ah. a un au dépôt. Trop bien! J'en ai acheté un avec l'accord de Super! Dan. Bien sûr. Ah, mais c'est Et il top. est magnifique. Ah, j'ai trop hâte de le voir. Bah, je suis à l'hôpital là parce que tu sais, j'ai eu l'accident. Ah, oui, je sais pas si t'es au courant, mais oui, si, t'es au Ah courant. bon, je suis pas J'ai. au courant. Ah! Non, mais. J'ai eu mon premier accident de moto. En vrai, vraiment pas Ah oui, très si, grave. celui-là, si, Oui, chaud. voilà! Non, rien de spécial en vrai. Et. Normal dans la vie d'âge, mais. Et du coup, bah, j'attends un médecin qui n'est pas là. Donc, Yes, ça marche. voilà. Tu passeras au dépôt et puis. Oui, par contre, j'ai personne pour venir me chercher après. J'ai ma moto à récupérer au Béniz. Est-ce Ouais, que tu aurais le ben, je temps ou pas du peux tout? venir te chercher avec le burrito. Ah bah parfait. Ben, tu m'envoies un message et puis tout Ça de suite. marche. Bah, je te dis, ouais, j'attends les docs. Parce que là, je peux rien faire. Ça Donc, roule. ça marche. À tout à l'heure. À tout. À plus. Incroyable, les burritos. Incroyable. Coucou la marine, ça va? Ça va, ça va? Moi, ça va. Mais oui, je comprends. Je comprends que ça ruine le moral. Après, avoir du coup pour créer quelque chose d'unique qui vous correspondra à vous et de créer quelque chose de nouveau, etc. Je sais pas si t'avais déjà joué Lost ou dans ce truc-là, mais du coup. Entre guillemets, ça va être une nouvelle possibilité de créer un tout autre univers, enfin, tu vois, à relier, mais un tout autre univers aussi un peu. Mais du coup, ça, voilà, ça va changer plein de choses, mais je comprends. En vrai, je comprends. Par exemple, savoir que potentiellement, enfin, il n'y aura pas de Vagos, alors que moi, je suis très très fan des Vagos. Bah, ça va me faire bizarre de me dire qu'il n'y aura pas de Vagos en tant que tel, en fait. Donc, mais voilà. Mais à mon souvenir, alors là, je sais pas du tout si on peut me répondre quoi, mais sur Fally, il y avait pas de il y avait justement pas ça, non, parce que sur 21, parce que moi, je viens de 21 au niveau des en tant que vieweuse. Et ben, comment dire? Sur 21, il y a Vagos, il y a Ballas, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu connaître tous les lores, en fait, de GTA. Parce qu'il y a 2 ans, je ne connaissais même pas le jeu. Il y a 2 ans, je ne savais même pas ce que c'était GTA. Donc, j'ai pu connaître tous les trucs. Et donc là, c'est vrai que ça va me faire bizarre, en fait, d'avoir des groupes crimi qui ne sont pas du tout les groupes co connectés. Carrément, carrément, envoie-moi, avec grand plaisir, envoie-moi tout ça. Mais oui, la symbolique du lieu, je la comprends parfaitement et ça fait chier. Mais bah, il n'y aura plus qu'à créer un nouveau lieu avec une nouvelle symbolique. Faut se dire ça. En vrai, faut juste se dire ça parce que ça va être une autre façon de créer un groupe de motards. Ça va être une autre façon de créer un groupe de motards. Mais ouais. Oh, je vais attendre combien de temps? Je crois que je les ai entendus, je crois qu'il y en a quand même, mais j'ai quand même envoyé un message. Parce qu'au pire des cas, j'aurais juste à pas conduire, mais. Merci. Oh, j'ai envoyé avec position, je suis un peu débile, moi. Attends, je regarde ça du coup. Il est superbe le dessin, il est incroyable le dessin, putain.
Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, Ah, bonjour. allô? Oui, Oui, bonjour. c'est le docteur Garcia. On devrait arriver d'ici une dizaine de minutes. Ok, bon, moi je vais vous attendre. Il n'y a pas de souci. On attend le Bénise et Oui, on ça passe en marche. échoir et on arrive. Ok, mais il n'y a pas de souci. C'est que je, voilà, je préférais envoyer un message parce que je me suis dit, si vraiment vous pouvez pas, que vous avez plusieurs inters ou quoi que ce soit, bah je vais retourner au travail et puis je vais. Voilà. Y a pas de souci, on Ok. arrive dès que possible. Eh ben ça marche, eh ben je vous attends alors. À plus Merci beaucoup, tard. à plus tard. Un nouveau Pokémon dans le Pokédex. Garcia. Garcia, 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 hop. SMS. Garcia. J'imagine que ça s'écrit comme ça. Oh, c'était qui ce numéro-là d'ailleurs? Attends, il y a quelqu'un qui m'a. Ah non, je crois que j'ai noté tout le monde. Garcia, Vigno, Mizuki. Oh, y attends. Oh putain. Oui, allô? Et coucou. Allô, allô? Et coucou. Ça va bien? Ça va et toi? Oui, Beckham. Bah, ça tombe bien que tu m'appelles. Ah, bah c'est toi qui m'appelles, du coup, techniquement. Oui, mais. J'en peux plus de moi. Ça tombe bien que tu m'envoies un SMS et que du coup je Oui. t'appelle. Oui. J'ai vu Louiselle hier pour d'autres trucs. Donc du coup on a abordé très 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 rapidement et très succinctement le Schmilblick. Du coup on va pas voir le Weasel. Par contre on peut se voir pour les questions. Tu vois ce que je veux dire? Ah Pour bah préparer totalement. tout ça. Voilà. Ça sera Ouais. pas avec Mike parce que voilà il a aussi plein de trucs à faire, etc. Ouais bah ouais, j'imagine. Mais on pourra bosser sur ça toutes les deux. En fait, ce qu'on a vu, c'est que eux préféreraient qu'on fasse pas juste une thématique, mais vraiment des questions spécifiques qui lanceraient la conversation, en fait. Tu vois. OK. Donc, il faut qu'on réfléchisse à des thématiques et donc à des questions pertinentes et qui peuvent être ouvertes, en fait, qui peuvent permettre aux Ouais, gens c'est de. ça, c'est Voilà. ouverte pour que ça débatte derrière. C'est ça. Et clairement, je peux pas faire ça toute seule. Enfin, je veux dire, ouais. Oui, bah oui, Enfin, non, mais voilà. c'est tout Donc, seul, c'est chaud. avec grand plaisir qu'on se pose pour faire ça. Ah bah car Ce soir, tu te couches tôt, tu te couches tard, tu te couches pas, tu. je Voilà. me couche moyennement tôt, moyennement Ok. tard. C'est Ça parce dépend que. combien de temps en fait la En réunion gros, va voilà, c'est durer. ça. Alors, la réunion, alors là, t'inquiète, j'ai dit à Emilio, la réunion, je la prends en main parce qu'il y a un moment donné, moi, je déteste les réunions qui s'éternisent. Je préfère Ouais. être concise. Ça m'agace sinon. Donc, voilà, je l'ai prévenu déjà que ça allait être rapide. Surtout que je Ouais. crois qu'il y en a qui vont se coucher tôt. Donc, ça sert à rien de Ouais, passer c'est ce que j'ai une cru. heure et demie. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on se pose après pour faire, on va dire, les premiers jets. Et qu'on en reparle dans la semaine, et comme ça nous permettra de se fixer. En fait, je voudrais bien te voir avant, mais c'est juste que là, j'aimerais bien bosser un peu, quand même. Et Ouais, bah oui. je dois préparer ce soir, dis-toi, je dois gérer une soirée d'artistes, plus la réunion. Ah, À une heure génial. d'écart, à une heure d'écart, oui, parce que Emilio Génial. n'a aucune tête, et bon, il a mille choses à gérer, mais il a aucune tête, ce qui fait que. J'avais dit oui, on fait un camp rock et tout, on fait une soirée avec les artistes et tout, mais chill. Et lui, qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, réunion une heure plus tard pour le staff. Ah, super. J'en peux plus de moi. J'en peux plus de nous. Je te jure. Ouais, bah, il n'y a pas de souci. Écoute, Ok. on se voit après la réunion, surtout que si elle dure pas longtemps, c'est très Oui, bien. non, non, non. Franchement, pour moi, si elle dure 40 minutes, plus que 40 minutes, je cut, sincèrement. Voilà, hein. Ouais, bah, de toute façon, ça sera, on va dire, 23 heures, ce serait bien. Minuit, dernier cara, je suis couchée. Ah mais parfaitement, ça me va, ça me va, ça me va. Donc je te réserve ma soirée après la Ok. réunion, ok? Parfait. Bah top. Et je sais plus ce que je voulais te dire. Bah, je sais pas. Ça reviendra. Mais ouais, non, pas de souci. Bah écoute, je cogite ça en même temps comme ça et j'aurai le temps de venir avec quelques petits sujets aussi. Carrément, carrément, mais avec On grand pourra plaisir. causer. Carrément, carrément, carrément. Ça va à la ferme? Oui, écoute, Comment tu prends ton. plein de choses qui. Bah alors, bon.
Les, on va dire, les circonstances d'arrivée Oui, on est d'accord. quelque peu spécifiques, mais voilà, il y a beaucoup de changements dans l'air, et du coup, on va profiter de cette vague de changements pour faire un gros changement. Ok, ah ouais? Donc, ouais, des changements de fond et tout ça, donc on voit tout ça, c'est en cours. Et donc, en fait, ça promet plein de choses et faut se pencher sur plein de choses en même temps, donc c'est cool. Non, mais c'est top. Donc voilà. Mais non, c'est motivant, écoute. Et puis, Bah, tant mieux. première formation hier, Oui, donc non, des c'est petites cool. responsabilités. Bah oui, hein, non, non, clairement, clairement, clairement. Moi, c'est. Bah, tu vois, là, c'est ce que je vais faire cet après-midi. Je vais faire une fiche formation pour moi et pour les autres cadres qui auront besoin d'en faire quand je suis pas là. Je vais dessiner une fiche de formation pour la distillerie, tu vois. Donc, mais voilà. Mais ça a été un peu compliqué les 2 premiers jours, je vais pas te le cacher. Ouais, bah je viens de croire. Parce qu'en fait, Tam et Mathias sont partis comme des tarés. Ils ont foncé, foncé, foncé. Enfin, c'était incroyable de voir ça. Mais d'un autre côté, on ne s'est pas posé 30 secondes. Donc, bah, en fait, personne ne savait vraiment son rôle, etc. Donc, ça y est, maintenant c'est posé. Lui, il gère l'argent, il gère tout le côté économique, etc. Et moi, je gère toute la partie DRH, pendant que Tam gère le patronat, quoi. Parce que du coup, Tamara, c'est la patronne. Oui. Et après, vous êtes deux DRH, c'est ça? On est deux directions. Ok. Deux Deux directions, co-directeurs, quoi. voilà, c'est ça. Deux Ouais. co-directeurs. Dans les papiers, Tam insiste bien sur le fait que ça soit moi, on va dire, la copatronne. Mais tu sais bien que dans les faits, c'est une direction plus qu'un patronat. Donc, voilà. Donc, Tam et moi avons, on va dire, le dernier mot. Mais dans l'idée. Salut H. Salut. Bonjour. Ok. Et du coup, Bonjour. Vicky et Marc Oh, ont... il y a un de mes employés qui est blessé. Super. Ah, bah génial. Mais voilà, du coup, ça va mieux maintenant. Ça va mieux Ouais. maintenant. J'ai eu un Oh, peu c'est du... peur. Enfin, Vicky a un peu été piquée par le comportement de Mathias. Donc c'était assez compliqué de gérer ça. Ouais. Ah, Mathias prend de la place, quoi. C'est Mathias. Ah bah. Et Vicky et Marc Et sont cadres, hein, du coup? oui, Vicky et Marc sont Ok. cadres, du coup. Ouais. Oui, donc en plus, Vicky est partie en mode Mathias est mon égal, et. Enfin, hiérarchiquement parlant, je parle. Et du coup, plus là, donc c'est sûr que c'est pas les Oui, mêmes places, ça se exactement, c'est réorganise tout, ça. quoi. Voilà, c'est ça. Mais en fait, ce qu'elle aimait pas, c'est que Mathias prenne des décisions à ma place et elle comprenait pas pourquoi il le prenait. Donc, je lui ai expliqué une première fois en lui expliquant bien que. Ah, attends. On peut se reparler? Oui, Il t'inquiète, y a un t'inquiète, doc, t'inquiète. c'est parce qu'il y a un doc et les pauvres, je les fais attendre. Donc, Oui, attends. non mais t'inquiète, on se rappelle. Ça marche, à plus tard. Allez, à plus. Désolée. Y a pas de problème. Venez Comment ça pourquoi? va? Moi ça va très bien, vous. Bah ça Pas va? dans la tête, mais bon. Ah oui, ça je veux bien le croire. Merci pour ce duo hier. Y a pas de Mais problème. C'était catastrophique de mon côté, mais c'est non, pas grave. c'était trop bien, franchement. Ouais, super, vous C'était avez un blessé le vrai, c'était principal. un très bon moment. Je Merci. viens parce que bah, justement hier soir, moi, j'étais passée à l'hôpital me faire retirer et vérifier si tout allait bien, retirer les ITT et vérifier si tout va bien. Mais apparemment, les médecins étaient défoncés au tequila, hein. Je vois pas de quoi vous parlez. Bon, vous y allez, y a pas de souci. Donc bon, du coup, je viens maintenant. Ouais, super. Ouais, Quoi, je suis fier de Monsieur Montauro. Il fait des efforts aussi bien. oui, vraiment. Je vous assure qu'on ne s'est pas battu pendant 2 jours. Bon, de toute façon, je l'aurais jamais fait. Mais enfin, je veux dire, j'ai trop peur de le perdre pour ça. Ah bah ouais, Mais pour le coup, c'est mal. Hein. bien que, hein, ah Ah là oui, la là, vie était là, ça peut-être. donnait envie, hein. Oh là 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 là. Surtout, Mais ouais, putain. de quoi? Non, il va falloir que je passe un appel aujourd'hui. Ah. Parce qu'il m'a dit que... Comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle. Tu vois, je prends un seul, je vais te... Ok. Qu'est-ce qui Hop se là, passe? monsieur, vous m'entendez? Elle me disait que comment elle s'appelle Allez, avec les cheveux on va orange là, relever. putain. Allez. Je sais pas. Céline. Ah oui, Céline, oui, Elle pardon. revenait aujourd'hui. Ok. Du coup, faut que j'appelle Allez. Céline pour lui dire de pas chaque fois deux fois. Ah Et moi, je vais lui prendre la expliquer la 72. situation, quoi. Allez, alors, je vais juste prendre votre numéro de téléphone pour le dossier. 18 07.
beaucoup utilisé beaucoup le téléphone. Alors, ouais, le coup, c'est pas nécessaire. Conduite 5, casque, douleur au coude. D'accord. Et ben, vous allez me faire des petits mouvements de bras, même si bon, je sais que ça va bien, du coup. Ça va super bien. Allez, super, je vous retiens. Ça a besoin des petites bobos ou pas? Vous avez eu des petits chocs ou pas, toi, hein? Non. Attendez. Non. Ah si. Oh, mais franchement, pas grand-chose. Hein. Je suis juste tombée de moto, ouais. Juste tombée de moto. Non, mais elle était à l'arrêt. Elle était à l'arrêt. Ouais. Et voilà, la moto est passée d'un côté et ça m'a fait tomber. Mais rien de particulier. Oui, mais il faut préciser que... Ah oui, j'avais pas... Oui, il m'a vu comme ça, oui. Oui, y a pas de souci, ça va filer pas. C'était si j'ai bien tout enlevé. Oui. C'est bon, nickel. Eh ben parfait. Vous pouvez y aller. Nickel. Est-ce que vous vous sentez mieux? Je vais attendre un petit peu. J'ai un de mes employés qui est ici. Ah, moi, je vais m'en occuper de suite. J'arrive tout de suite. Hein. Bonjour. Ça vous dérange pas? Je vais le mettre directement en radio comme ça, il sera couché. Okay. Allez, venez. Ça va? Couchez-vous à moins de deux. Je t'entends mal. Ah, oui. Bon courage. Merci. Comment ça, il m'entend mal? Mais je comprends pas pourquoi il y a des joueurs qui m'entendent mal. Je comprends pas. Rui, pareil, dans certaines situations, il m'entend pas. Je change rien pourtant dans mon micro. C'est trop bizarre. Merci. Hop, c'est bon. Hop. Vous courez partout, vous aussi. Vous courez partout, vous aussi. Il faut que je travaille, oui. Bah ouais, ouais. Quoi que hier, j'ai couru partout aussi. Hier soir, vous voulez dire? Oui. Terrible. Je, tout, mais... Je peux prendre votre numéro comme ça, au moins je suis sûre de l'avoir, parce que je sais pas si je l'ai. 7001. 70. Soit. 7001. Hop. Et votre nom de famille? Non, c'est mon nom de famille, justement. Sinon, moi je m'appelle Lywon, mon prénom. Comment? Lywon. Ah oui. L-Y? Non, Eddy. Lyron. 70 euros. Nickel. Ouais, c'est ça. Eh ben parfait. Ah ben super, merci pour tout. Merci à vous. Surtout pour hier soir. C'était cool. Cette phrase dans un autre contexte, terrible. Mathias, quoi dire? Hop. Yes. Oui. Tu entends? Oui. Oui. Mais je viens de sortir de l'hosto et j'ai vu qu'il y avait un de nos employés à l'hosto. Oui. C'est qui? C'est Archibald. Ah oui, je m'en doutais. J'ai vu le cast. Il a mal à la jambe. Et il avait pas l'air bien. Il avait pas l'air bien. Il a mal à la jambe. Du coup, je suis au dépôt, là j'arrive. Ouais, ça marche. Eh ben merci, à tout de suite. À tout. Est-ce que le bénis est ouvert? Qu'est-ce que le bénis est ouvert? Bon, bah écoute, ça là-dessus, c'est fait. You help me down in a way, I'll make it die.
Mince, qu'est-ce je devais faire quoi moi déjà? J'avais noté, je crois que j'avais pris une note. J'avais pris une note? Oui, j'avais pris une note. Ouais, ah oui. Oh my goodness! My god! Ils sont trop beaux! Voilà, voilà, la bait. Magnifique! Ouais, ils sont mignons comme ça. On peut monter à 4 dedans. Hein. On peut monter à 4? Nickel. Je crois, ouais. Ça va toi? Ouais, ça va, faut que j'évite de poser le pied par terre, mais ça va. Ouais. T'as un ITT? Non, non, j'ai pas d'ITT, mais je vais faire de l'alcool au dépôt. Et puis oui, je vais voilà. Lire, oui, voilà, tu prends un peu de temps et. Allez, ouais. Allez hop, moi je vais derrière. Ok, merci. C'est vérifié, on peut. Ceinture. Yes. Ceinture. C'est trop bien. Ils sont trop stylés. Ouais, ils sont mignons comme ça. Ouais. Ouais, quand tu vois la gueule qu'ils avaient avant, oui. Oui, bah oui, bah non, franchement, ils sont incroyables. Le travail de design, on en parle. Juste. Et c'est pour faire les livraisons entreprises. Alors, je pense qu'on va faire les livraisons entreprises avec, oui. Mais et... aussi les livraisons d'art. Ah oui, c'est sûr même. Ouais. Juste incroyable. Le. Ça contient combien? 200 kilos. Putain. Ouais, ça va, c'est raisonnable. C'est trop cool. C'est trop beau. Et le Yellow Jack, il est gourmand en bière. Hein. Pays Water. Tous, en fait. Alors, j'en ai. On va passer sur une. Oh putain, non, qu'est-ce qui se passe? Ah! Mais c'est pas possible en fait. Ah. T'es caché, hein? T'es caché. Oui, oui. Que bon, la malentendue. Bah, il y a eu un accident. C'est super. Il y a eu un accident. Ah, une fièvre, ouais, ça va. Bon, allez soigner. Tu doutes de mes capacités de conduite, c'est ça? Super, merci, hey, c'est gentil. Bonjour. Après tout, tu viens de faire ton permis. Qu'est-ce qu'il y a? Capacité, si vous avez rien, elle avait juste une fièvre. Merci beaucoup. Ouais. Oh, oh, tu l'as taquiné sur un truc. Oui. bon courage. À tout de suite. Il est pas possible ici. Bon, par contre, c'est mou du genou, hein, le Bruto. Ah, bah ça, oui. Mais ça sera tout de même bien pratique. Je dépose archives et je vais t'emmener chercher ta bécane. Ouais, merci. Merci. Attends! Attends, bouge pas. Je vais passer devant quand même. Hop. Tu vois, hier on disait encore qu'on n'allait pas embaucher, qu'on resterait à 11 jusqu'à lundi. Et là on est à 14. Ça va, ça va. Donc j'évite de poser le pied au sol, mais ça va. Vicky, elle est vénère. Elle commence à prendre des décisions, elle. Ouais. Il va falloir qu'elle se détende parce que c'est pas son job. Bah, ouais. En fait, j'ai beau lui expliquer. Oui, genre à 11h, on avait cette idée-là, mais à 17h, après avoir bien réfléchi tous ensemble avec Tam et Mathias, on a envisagé qu'on allait prendre d'autres personnes. Et ben, non, ça veut pas rentrer, quoi. Alors, les décisions, c'est nous qui les prenons, pas elle. Ouais, se le rend dans le crâne. Ah mais clairement. Et le Mathias, il prend trop de place. Ah non, mais j'ai eu beau lui expliquer, elle n'arrivait pas à comprendre. C'est aussi pour ça que je me suis permise d'en parler à Tom, parce que je lui fais, mais en fait, j'ai aucun problème avec ça, et vraiment quoi,
Je pense en vrai qu'elle s'attendait à ce que tu sois juste cadre et que, et tu vois, dans la hiérarchie, elle n'arrive pas à comprendre que ça, bah, c'est plus comme ça, et puis point, quoi. Je sais pas. Salut. Ouais, c'est. Je sais pas. Ah, mais hier, il a carrément demandé au patron c'est ce qu'il avait pu livrer tout ça dans la journée. Ouais. Et bonjour. Je vais le lire. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Une complète? Je viens récupérer. Bonjour. Oui. Pour que je... Ouais, j'ai eu un accident Allez. hier. Je pense que j'ai ma ex-sœur. Ah oui, regardez. Merci pour le coup de chiffon. Pas de soucis. Je vais aller prendre de l'argent parce que j'ai plus rien. Terrible Vicky, mais qu'est-ce qu'elle nous fait Vicky là? Vicky qui remet en cause tout ce qu'on choisit là, ça va pas du tout. Hop. Bon, je vais prendre peut-être son. Parce que... Hop là. À tout de suite. Hop, je te file la clé. Merci. Hop là. Nickel. Et du Je vous dois coup, il y combien? avait un truc, je sais pas, j'ai pas suivi. Tac, tac, ça va être où? Ça va être là. Hop. Voilà dans quel état elle est, s'il nécessite une réparation ou quoi. Ouais, je dis pas non parce que bon, c'était pas un gros En vrai, ça a accident, pas l'air trop mais mal. elle a glissé, je crois, juste. Ah ouais, si, il va falloir un petit coup. Allez-y, allez-y. Hop, je te mets un petit coup dessus. Hop, je vois qu'il y a. T'es à moins de 30% d'huile, tu veux que je te fasse le plein d'huile maintenant Ouais, ou tu peux faire attendre vas-y, un peu vas-y. plus Fais tard? le check-up complet Ouais, en ça vrai. marche. Elle a glissé et tout, elle a. Ok. C'est mon premier accident avec, mais bon, et... Ouais, bon, le moins possible, hein, quand même. Hein. On va essayer. À Ouais, ça choisir. va. Un hein, en 3 semaines, c'est raisonnable, non? Ah, oui, ça va. Va demander à Roger et il a pas le même score. Hein. Ah, c'est qui Roger? Score de quoi? Score de chute en moto. Moi, moi c'est 1 en 3 Deux. semaines. Ah. Ça Ouais, va? deux en combien de sorties, c'est ça? Ah, en une heure? Ah oui, ah oui, d'accord. Ah, Ah ben oui, voilà. ah oui, ok. Oh, je cherchais de l'huile. Oui. Et en effet. Et ce, tous les jours. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, bah ça va en fait, moi. Ça va en fait, moi, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Ah, je reviens. Moi, du coup, je te rejoins au dépôt. Yes. Qu'est-ce qu'on fait pour... En vrai, faut qu'on parle avec Tam hein, pour Vicky. Hein. Ok. On fait ça. En plus. Salut James. Salut. Salut Hello. toi. Ça va bien? Ça va et toi? Oui. C'est Tu vrai que ça regardes, va. elle est toute belle. Oui. On n'a Et t'es pas rien dans le même vu. état hier, c'est ça, non? Je vois pas de quoi tu parles. Oui. Non, en vrai, ça va. Non, elle était pas. Attends, ça va. Ah, oh, bah, j'ai vu. Elle Elle était dans était. quel état avant réparation, Marianne? Ne se prononce pas. Voilà. Comment C'est encore pire que se ça? prononcer. Ah, c'est bon, toute neuve. Ah, merci. Nickel. Après, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait réviser, hein, donc c'est peut-être pas Hop que. là. Raccroche-toi aux branches. J'ai pas le temps de passer au Venise. Je me dis, oh, c'est bon, elle va bien, elle va bien. Je suis dans le C'est vrai déni que avec. maintenant la brasserie est bien loin en plus, donc du coup elle aura encore moins de temps de passer au Venise. Alors, la brasserie est peut-être moins loin, mais j'ai tellement de trucs à faire depuis l'ouverture. Là, j'ai vraiment l'impression, ça fait 4 jours, j'ai l'impression que ça fait. Tu sais qu'on nous a mis un poids lourd sur la tête, là. Est-ce que tu veux voir si c'est exactement ça? Parce qu'il y a la citerne qui est là, si tu veux, pour vérifier si ça fait la même chose.
Ouais, je non, je vais garder. Non, non, mais ça va. Mais ouais, c'est vrai que du coup, j'ai le temps de rien. Entre l'asso et mon nouveau patronat, j'ai l'impression de. Le temps de rien, envie de crever. C'est ça. Attends, j'ai tellement. Si vous voulez tout savoir, j'ai tellement trucs à faire que hier soir, on a appelé Emilio pour lui demander s'il avait une artiste pour un concert privé organisé à la Va-Vite à genre 1h du matin pour les médecins. Voilà, bah devinez qui a dit oui alors qu'elle avait plein de trucs à faire. J'en peux plus. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Salut. Ça va et vous? Bah oui, oui. Bah nickel. Nickel. Ça va. Maintenant, sa moto va aussi bien qu'elle. Il y a quelques secondes, ça allait pas, mais. Pourquoi? Alors, j'ai peut-être eu un petit accident hier, oui. Bien joué. Bah, ça va. Et même les médecins, ils étaient étonnés que j'aille aussi bien. Ah ouais, sors. Ouais. Attention, je crois que Céline est en train de détendre sur toi, donc t'évites de trop t'en approcher. Elle fait partie de mon assaut, on risque de se croiser souvent quand même. Hein. Mais première fois en 3 semaines. J'avais pas de casque en plus. Ah, ils m'ont défoncé les gars. Ils m'ont dit ouais. Attends, vous avez pas de casque, ça aurait pu être grave. Oui, j'ai conscience. Alors, je sais bien que c'est certain, il n'y a pas grand-chose à protéger, le casque n'est pas obligatoire. Emilio, pardon. Ça sera répété, amplifié, ça. Ça sera répété, amplifié. Et un peu déformé. Ouais. Oh, complètement oui, déformé. Surtout déformé. Allez, bon, j'ai des employés à... Bon, ça met un casque quand même. Oui, dit-elle en partant discrètement. Je suis pas sûr que ce soit la tenue la plus appropriée pour rouler en moto, mais oui. De quoi? Ça, là, ce que j'ai? Oui. Oui, mais faut que je remette mon cuir, j'ai mis ça pour le concert hier soir. Oui. Parce que je dis ça, il y en a une qui est juste en face de moi, là, qui roule souvent en moto avec des affaires pas très appropriées non plus. Hier, ouais, j'étais. Ça fait 3 semaines que je l'ai pas sorti. Ah ouais? Ah oui, tu m'étonnes. Rose bonbon et vernis. On se demande pourquoi, ouais. Excusez-moi, madame. Vous avez bougé votre citerne, s'il vous plaît? Ah oui, pas de soucis. Parce que je dois sortir le plateau. Merci. Bah, on va y aller. Il y en a un peu de billard. Allez, bah bon courage. Oui, merci. Allez, je file. J'ai des employés à engueuler. Ouais, ça marche. Oh, c'est pas faux. Trop, quand même. Non, non, c'est faux. Bon, allez. Je peux engueuler Vicky, après là c'est bon. Allez, monte de l'étranger. Ça marche. Allez. Merci. Bonne journée, bon courage. Merci également. A plus. Alors attends. Le pire c'est que c'est vraiment juste à côté, hein, mais. Hop. Voilà. Nickel. Je ne connaîtrai donc jamais. Il faut vraiment que j'apprenne. Ah! Je pense qu'hier soir j'étais fatiguée. Que j'ai loupé le trottoir. Je comprends pas pourquoi elle s'est pris le trottoir. Pourtant j'ai. Ma trajectoire a été normale, mais je sais pas. Je veux dire, là, j'ai juste fait ça, quoi. J'ai fait ça, elle est tombée comme une cruche, quoi. Calvaire. Wow. Oh, elle est dinguerie. Et bonjour. Mais voilà. Si je parle dans ma barre, c'est une catastrophe. Et bonjour. Mais comme d'hab. Voilà.
quand vous voyez que je tourne en rond et que je dis rien, c'est que souvent je suis dans ma tête et je suis en mode mais oui, je leur parle et ils me répondent pas. Catastrophe. Tout va bien? Ça va. Allez, on va récolter de l'orge. Je vais fermer. Moi je vais me remettre par mes calculs. Tu peux me rappeler? T'as besoin d'aide? Prénom, s'il te plaît. Archibald. Le truc, c'est que toi derrière, il va falloir que tu refasses le fonctionnement. Yes, moi, il n'y a pas de souci. Elle m'avait. Je regarde dans ma to-do list, il y a déjà des choses que tu peux commencer à regarder pour. Ouais, ça marche. Et je comptais faire une fiche format aussi, une fiche formation pour voir tous les points qu'on a à faire. Yes. Quand, ouais, ça c'est pas je vais la mettre. Donc, je voulais me poser là-dessus aussi. Fiche format et. Elle avait parlé, tu sais, de faire un calcul de. Tous les 10, tous les 30, tous les, tu sais, pour la fabrication. Ouais, j'ai comme... l'idéal, ça serait par 10 de toute façon, ouais. De base. Okay. Parce que après, au niveau des sacs, on va être limité. Bah, c'est ça. Je vais t'envoyer un design que j'ai envisagé, genre une sorte de fiche. Tu vois, c'est plus visuellement, c'est peut-être plus impactant que juste un écrit. Je t'envoie ça. Pour, tu me... pour la formation Pour la formation, oui, mais surtout pour le truc, en gros. Je t'envoie ça, tu me dis ce que t'en penses, et comme ça, en gros, tous les employés peuvent l'avoir avec eux, et ça peut être plus rapide d'accès que les channels et tout, tu vois. Je t'envoie ça. Je prends mon service, et je fais ça, etc. Ouais. Tam devrait revenir dans l'après-midi, de toute ouais, façon, on est parti ça marche. Reposer. Bah moi... Parce qu'elle était encore là à 8h30 ce matin. Ah putain, oui, j'ai vu. J'ai vu. Elle a dormi 3h. Ça marche. Il faut que je trouve quelqu'un pour tourner avec Marissa. T'as toujours pas ton permis? Si, elle a son permis poids lourd. Ok, ok. Et vu qu'elle est encore toute nouvelle, je peux faire. Oui, je comprends. Et y'a qui là en ce moment? Y'a qui? Qui c'est qui tourne en solo là? Alexander. Y'a Jim? Je crois qu'il est avec Marc Alexander. Et Jim? Jim, il est pas là? Je l'ai pas vu, je crois que les deux autres ils sont partis en binôme déjà tout à l'heure. Je sais pas, il est mis en service. J'arrive, je vais mettre en tenue. Ça va, Marissa? Ouais, ça va, tranquille. Nickel. Ils sont déjà pétés, quand même incroyable ça. Hop là. J'ai tourné avec Pierrot ce matin, donc c'est pas un souci. Sophie, si tu veux bosser ou si tu veux aller te balader, tu peux. Bah écoute, j'attends la réponse des deux osios qui viennent de sortir de leur entretien de médecin là. Alors, ça donne quoi leur entretien? Bah, ils attendent d'avoir une réponse positive okay. Ou négative. Ok. Ah oui, c'est ça que je voulais faire aussi. Mais au moins l'entretien est fait. Ouais. Moi, j'ai répondu à Emilio ce matin. Mmh. Ouais, j'ai vu. J'ai vu que t'avais popé sur l'endroit, là. Ouais. T'es là ce soir, du coup, pour la réunion? 21h, ouais, je suis là. Ah bah parfait. Parfait, parfait. La présente. Nickel. Faut que je trouve le point. Faut que je trouve le lieu. Ah bah non, je suis con. Je crois que c'est Tequilala et que ça avait été noté. Non, non, ça va pas être le Tequilala, ça va être le Yellow Jack à Route 68. Mais putain, mais fais tes réunions, t'es au casino, bordel. Mais... c'est comme vachement plus classe. Alors, déjà, classe, c'est vraiment une réunion d'assaut tranquillou, quoi. C'est surtout que moi, j'ai une soirée organisée pour les artistes que je veux faire à côté. Alors, à une heure avant. Donc, j'aimerais bien profiter un peu de la soirée. Et en une minute, hop, j'arrive au yellow, tu vois. Arrête de te surbooker. Je quoi? Qui c'est qui parlait il y a deux secondes qu'il allait se prendre la tête avec des chiffres? Oui, non, mais... c'est clair, non mais... retour à l'envoyeur, c'est tout ce que j'ai à dire.
ils se surbookent, mais que sur un sujet. Moi, je me... Enfin, voilà. Quoique... Ils se surbookent sur tous les sujets à la fois. Oui, enfin, de ce qu'on m'a dit, tu te présentes au gouvernemental aussi. Donc voilà, merci. Double charge pour toi. Merci. Allez. Ouais, sauf que le gouvernemental, actuellement... Oui, c'est un peu... Oui, c'est... Disons que tu prépares ça tranquillement, que moi, c'est le suivi au quotidien de l'assaut. Ça, c'est sûr. Voilà. Non, mais j'ai conscience, il faut que je fasse attention et... Oui, oui, oui. Le ménage, c'est pas bon. T'es pas loin du burn-out après. Du quoi? Du burn-out. Du burn-out, oui. Oui, oui, mais non, mais. Le burn-out. Ouais, ouais, le burn-out, ouais, je vois tout à fait, mais je... mon esprit ne. Oui. Avec l'accent, c'est compliqué. Non, non, t'inquiète, j'avais compris. Ben ouais, 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 ouais. Bon. Du coup, fiche format. Ah oui, je t'en... Du coup, j'attends toujours que tu m'envoies. Ah oui, pardon. Oh, ben est-ce que... Ah, ça va ? Sur ma nage. Terrible. Hop là. Je te fais ça, hop là. Hop là. Jack. T'as des nouvelles de Ace ou pas? Non. Que j'en ai pas vu hier. Non. Après, ouais, à voir. Je sais pas. J'ai pas une nouvelle du tout. Donc il s'est peut-être posé chez lui. Mais oui, c'est sûr que le voir cravacher la première soirée et... Il nous a donné beaucoup d'espoir. Et... Oui. Et là, il vient plus. Oh, ça va le faire. Oh, je crois en lui. Eh, c'est mon piou-piou. Je crois en lui. Ouais, c'est ton poulain, ouais. Oui. Ça va le faire. Mais excuse-moi, je t'envoie celle-ci mais qui est pas finie, que je voulais la recadrer. C'est long à recadrer sur le portable. Ah, toujours pressé, ces hommes, c'est abominable. Ah non mais. J'ai du boulot aussi. Oui, ah ça va. En plus tu vas me dire ah non c'est pas possible. Bah pourquoi? Non je rigole. Tu vas adorer. Pourquoi je te dirais non c'est pas possible. Tu vas adorer. Tant que j'ai pas vu, tu peux pas savoir ce que l'on pense. Attends, hop là. Tchouk. Hop, tchouk. Vas-y. Alors, me demande pas pourquoi c'est dans ce format-là. Je voulais faire un autre format, mais j'ai bugué. Ah oui, voilà, c'est pour ça que j'ai bugué, je suis bête. Hop là. Le bas, le dessous. C'est, je voulais faire un truc plus carré, quoi. Mais en gros, je voulais proposer un truc comme ça, un truc un peu visuel comme ça, ou pour tout, en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Donc, au pire des cas, ce que je peux faire, c'est... réussir à l'afficher... Bah du coup... directement sur l'intra. Bah, c'est pour ça que je vais faire un autre format. Oui. Ouais, c'est bon, je fais un autre format, du coup. Je fais un autre format. Si t'arrives à tout loger, oui. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bien. On voit ensemble. Après, pour... De toute façon, il faut penser que sur la fabrication, tu pourras difficilement aller au-delà de 10 par 10. Ok. Ok. Parce que, surtout pour les bières pommes, etc. Bah écoute, on va difficilement aller au-delà de 10 par 10. Ça marche. Bah, de toute façon, voilà, le but c'est ça. Tu me dis qu'est-ce que je dois noter sur le truc et je fais la fiche rapidement et comme ça, elle est accessible à tous et en un clin d'œil, on voit après, tout ça. Après, les avoir sur sans le visuel sans... Non,
Dis-moi. Les avoir pour 100 bières. Ouais. Avoir les quotas, c'est bien. C'est une chose. Mm-hmm. Le mec qui veut faire. Par exemple, c'est con à dire, mais il n'y a plus rien dans le frigo, il y a une commande qui tombe, il veut faire 200. Voilà, oui. Au moins, il sait. Ah, mais clairement. C'est ce qu'il doit prendre. Clairement, clairement. Ouais. Mais voilà, je pensais proposer ce format-là pour les bières, pour les alcools forts, enfin pour tous les alcools, et voilà. Et comme ça, on a directement toutes les infos en photo, quoi. Ça comme ça, ça marche. Ok. Alors, faut que je redemande le logo à Tam, parce que là, je l'ai pris. J'ai été au Weasel récupérer l'article du Weasel où j'ai. Voilà. Donc. J'adore mes matinées, tu sais. Et donc voilà. Alors et qu'avec Tam, on s'est dit, tiens, on n'a pas de nouvelles de H, elle doit se reposer. Ce matin, j'ai fait un fichier calcul pour faire Word calcul questionnaire pour faire la fiche formation à remplir par le formateur ou la formatrice et à valider à la fin de la formation. Mm-hmm. J'ai peut-être fait ça ce matin, ouais. Mais j'ai dormi, hein. Oui. 6 heures, ça va. Ok, bon, bah, allez, c'est parti, je vais dans mon bureau. C'est lequel le tien? Parce que je sais où est le mien, mais je sais pas où le tien. Moi, c'est là-haut. Ah, bah, tu vois, bah, moi, c'est là-haut de l'autre côté. C'est là-haut, là-bas, entre les deux. Ah oui, je vois, ok. Je vois. C'est terrible les directions là. Mais où ça? Ah ouais? Ah ouais, d'accord, t'es comme ça toi. Mais moi, regarde, moi c'est hyper simple, hein. Regarde, tu montes ces petits escaliers là, hop, t'es sur mon bureau. Ouais, je sais. Là, tout le monde te voit, tout le monde sait que t'es là. Alors que. Eh ben, ah oui, mais c'est le principe du RH, hein. Si. Oula. Je suis comptable, donc je m'en fous. Moi, si je suis tout là-haut, au moins. Ouais. Et allô, bonjour. Oui, bonjour, vous avez tenté de me joindre. Oui. Je voulais savoir, okay. C'est quoi vos tarifs pour les bières sans alcool? Alors, c'est 5$ l'unité et okay. on fait des livraisons à partir de 200. D'accord. C'est quoi la date de péremption? Je vous dis ça tout de suite. Elle est longue, hein, mais attendez, ouais. Je vous dis ça. Qu'est-ce que je peux voir là? Vous voyez là celle que on a faite hier ou avant-hier, elles expirent le 2 mars. Mars. Ouais. Donc celles qui ont été faites aujourd'hui, je vais aller voir, mais je pense que ça va être voilà dans les 5 premiers jours de mars, donc dans 10 jours quoi, il y a à peu près 10 jours de. Mais attendez, je vous dis ça tout de suite. J'arrive près du frigo. Hop. Attendez. C'est terrible. Je raccroche et je vous rappelle vraiment dans une fraction de seconde. Ouais. C'est terrible ça. Hop là. 3 mars, 2 mars. Oui, donc c'est ça. Ok. Hop. Du coup, c'est bien ça. Ce qu'on a fait aujourd'hui expire le 3 mars. En péremption. Le combien, vous m'avez dit? Le 3 mars. Ok, bah ça va. Ok, ça marche. Je vous enverrai un message répondeur pour faire une commande sur... Eh ben parfait, il n'y aura pas de souci. On a ce qu'il faut. Et ça marche. Le paiement, c'est en fin de semaine, enfin oui, début de semaine, du coup. Voilà, c'est ça, tout à fait. On note ça en contrat et on vous enverra tout ça. Ça marche. Ça okay. marche. Allez, bonne journée. Journée à vous. Au revoir. L'UDST qui va faire une commande pour au moins 200 bières sans alcool. Modifier les étiquettes de camion pour qu'elles restent en haut. Ok, oui, c'est parfait. Nickel. Nickel, nickel. On est d'accord que Vicky fait la tête, là? Ou c'est moi qui suis... J'en sais rien. Ok. Bon, je vais avec elle.
Ça marche, ça marche. Eh ben, écoute, je vais faire ça, je vais voir ce qu'il y a à faire, et puis... Je pense que je vais faire les 200, je vais faire les 200 bières. Pas plus. Mais je peux les faire, hein, si tu veux. Hmm? Je peux les faire, les bières. Oh non, non, mais je... Eh, tu sais que je touche pas grand-chose depuis 3 jours, là, ça me... J'ai l'impression de... Tu sais, de pas toucher au produit, de pas faire. C'est ça être patronne? C'est ça être dans la direction? Bah oui. On fait rien. Super. Alors moi j'ai réussi à tourner un peu. Bah oui, bah pas moi, mais j'ai pas le temps. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Très bien, très bien. Attends, touche pas le 2. Ah merde. Je suis en train de renommer les étiquettes. Désolé. Terrible. Je veux bien que tu le ranges du coup. Eh ben je te le range, par contre, peut-être que tu te pousses du milieu si tu veux pas te le prendre. J'aimerais bien aussi demain le bénis, ça va piquer. J'ai pas hâte. Bah j'ai pas hâte de la première facture du bénis, tu vois. Pourquoi ça va piquer? Je sais pas. Je pense que à voir comment ça se. Ah non mais il faut, hein, c'est pas le problème, hein, mais. On va se plaindre, on a pas d'impôt cette semaine. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Ça commence le 26, c'est ça? 26, ouais. Ok. Bon, allez, je file là-bas. À tout de suite. À tout. Bon courage pour les étiquettes. Oui, bon, ça va aller vite. Hein. Oui. Désolé. Je vais regarder du coup si je rajoute 30. Ok. Parfait. C'est pas mal, on peut en faire 100 du coup. Hop là. Incroyable! Elle fait du farm. Je ne l'aurais pas cru. Quand tu seras à l'UDST, tu leur demanderas un transfert? Oui, carrément. Parce qu'on est à 114, là. Ok. C'est possible de prendre un échantillon de 50 bières? On a encore un gros stock de jus à boire. Pour on voir ce que les... 114 000, du coup... Un échantillon de 50 bières, on a encore un gros stock de jus à boire. Pour voir ce que les employés préfèrent. Vache. Oui, excuse-moi. J'appelle le transfert. D'ici. Non, non, mais genre ce soir. Ok. Genre 20h, 20h ce soir. Ouais, je vais voir avec lui si on peut organiser ça, prendre un rendez-vous. Il me demande s'il peut prendre un échantillon de 50 bières. Oui. Pour voir ce que les employés préfèrent. Oui. Ce que je fais, c'est que j'ai envie de tester le burrito, donc je vais lui emmener. Prends-le. Et je vais lui emmener les 50.
Je lui fais une petite facture ou... Je lui fais une petite facture. Non. Non, je lui fais juste un échantillon. Gratos, ok, bah, je viens d'en faire, donc tiens, je vais lui passer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et comme ça, je lui demande pour ce soir directement. Ouais, ouais. Ce ça soir, marche. Un transfert vers 20h30. 20h? 20h30. Ok, ça sera toi qui le fera? Moi ou Tam, je sais pas. Ok. Qui sera là à ce moment-là. Mais... Ça marche. Hop. Voilà. Et ben. Hop, c'est parti, je fais ça. Du coup. UDST. Je. Tcha-tcha-tcha. Hop, rendez-vous. UDST pour transfert, pour machin. Let's go, UDST. Est-ce que j'ai autre chose? Non, c'est bon. Nickel. Allez. Et ben let's go, à tout de suite. Burrito. Il est trop mignon. Hop là. Jack. C'est où déjà l'UDST? C'est par là, non? Ouais. Hop, hop. Let's go. Oh, ça va! Incroyable, elle. On est d'accord, je l'ai pas touché. Voilà, oh, la gris. Les voitures, elles sont... En vrai, je suis trop contente qu'on ait les burritos, parce que les gros camions, tu vois, c'est pas mal, on en voit partout, mais les burritos, là, qui vont sillonner la ville, j'adore l'idée. Les petits burritos, là. Thank you.
Et bonjour. Et bonjour. Hop. Alors déjà, je vous donne ça. Et voilà. Tenez bon. Et merci pour le placement. Bonne dégustation. Voilà. Ouais. Question. Est-ce que je peux vous demander de vive voix pour un transfert ce soir ou vous préférez qu'on passe par la message, par la message entreprise? Faites quand même un message répondeur comme ça. On voulait savoir s'il y avait du monde chez vous. Les gens, ils ont votre numéro. Et comme ça, voilà. Si jamais je suis pas là, ils peuvent s'en occuper. Ok, ça marche. Parce qu'on pensait faire une demande pour ce soir vers 20h. Ouais, ça va. Bon, après, demandez pour la soirée, puis les gens, ils vous rappelleront. Oui. Ouais, ça marche. Et, enfin, sur de l'ordre des gens qu'il y a. Ok. Mais il y a pas de soucis. Et du nombre de personnes aussi. Hein, bah oui, j'imagine bien. Ok, bon, il y a pas de soucis. Bon, écoutez, on vous recontactera pour faire une vraie commande la prochaine fois. Oui, mais il y a pas de soucis. Mais bonne dégustation et puis. Et merci. Il y a pas de problème. Et bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Il est quelle heure là? Oh, il est déjà 15h30. Faut que j'appelle Emilio. Il faut que j'envoie l'adresse à tout le monde pour ce soir, pour 20h. Et 21h, c'est bon, c'est fait. Et que je fasse la fiche de formation et les prix. Ça va le faire. Ça va le faire. Wow. Elle va se calmer la petite voiture là. Oui. Ah mais c'est vrai que j'avais baissé les... Et c'est ça qu'il faut que je fasse avant ce soir là. J'avais baissé les effets. Ah ! Hier, parce qu'on a... On a fait des tests sur un autre serveur pour les vêtements et j'avais baissé les... Mais oui, un switch bête. Hop là. Pour ça qu'il est bizarre mon jeu. Hop là. Attends, quoi? J'ai bugué 3 secondes. Burrito 1, Pounder.
Oh, j'ai oublié de faire le... Je sais ce que j'ai oublié de faire. Hop. Ok. Je vais aller voir ce qu'il y a. Je sais ce que j'ai... Je sais ce que j'ai oublié de faire ce matin. Et que du coup, j'ai pas fait là, cet après-midi. Ah bah ça a été fait. Nickel. Oui, pardon, excuse-moi, je suis dans ma tête. T'inquiète pas. Je voulais vérifier s'il y avait le stock de bouffe qui avait été fait. Stock de bouffe. Bouffe, oui, elle l'a fait ce matin. Ouais, j'ai vu. Parfait. En train de voir pour nos comptes, pour nos factures. C'est plus simple. Ok. Pour le noter aussi sur... Noter nos factures. Enfin, nos rentrées d'argent. Mais en fait, techniquement... Ah oui, mais non. En fait, comme on fait pas la facture de main à main comme au bénisse, tu vois. On fera une facture globale lundi, en fait. C'est ça. Par entreprise. Ouais. Et justement, pour les calculer, ça serait mieux d'avoir une compta. On est d'accord. Je suis en train de voir pour faire ça. Je suis en train de sortir les rames là et je vais devenir champion olympique de. De quoi ? Champion olympique d'aviron là. Ça va faire. Ouais, j'ai trop de trucs dans mon. Genre des coupes de champagne ou des trucs comme ça, je vais les mettre là parce que. Hop. Nickel. J'ai une tomate. J'ai ramassé ça hier dans la rue. Sans le vouloir. Marissal en avait 15. Oui, bah ça devait être au même moment quand on était au tequila là. Parce que... Ah oui, j'ai fait une soirée au tequila là avec Marissal. Non, mais... N'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi ? Non, mais c'était vraiment très drôle comme soirée quoi. En gros, j'étais avec Emilio. Pourquoi j'étais avec Emilio ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Ah oui, putain, le Weasel. Weasel, accident. Emilio qui me dit, bah vas-y, je te ramène. Donc, je bosse un peu. Et on devait aller... il devait me ramener à l'hôpital pour faire mon contrôle, tu vois. Et personne à l'hôpital. Mais personne. Bon. Et là, il appelle un des médecins pour savoir où ils sont. Et là, le médecin, il dit, hé, on est au tequila là, on fait la fête avec tous les médecins. On voulait savoir s'il n'y avait pas une artiste pour qu'on puisse faire un concert improvisé. J'ai chanté pendant 40 minutes. Du coup, concert improvisé au tequila là. Pour les médecins complètement défoncés qui étaient censés me soigner. Et entre temps, on avait un rendez-vous avec Marissa pour l'association. Au tequila là. Du coup, elle est restée. Et son copain et un de ses amis sont revenus. Et en fait, c'est des potentiels futurs médecins. Donc, ils ont vu potentiellement leur chef et directeur complètement beurré au tequila là. Voilà. Ah bah bravo. Ah, c'est beau, hein. C'est beau. Bah, je vais aller voir les stocks. Du coup, vu que tu t'occupes de la compta et tout ça, je m'occupe de faire les visuels comme je t'ai montré, avec tout. De quoi ? Les visuels pour la fabrication et les chiffres. Ouais, vas-y. Et du coup, je fais pour tous. Je fais par 10, par 50, par 100. Ouais, 10, 50, 100, ça me paraît pas mal. Ok, et ben c'est parfait. Je fais ça. Sauf pour la bière où tu montes à la limite jusqu'à 500. Yes, pour ça marche. Ils ont les quantités exactes de ce qu'ils vont avoir besoin pour faire un cube entier. Ok, nickel. Et comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va. Je pensais être fatiguée et au final hier soir j'ai fait un concert improvisé donc comme ça. Non mais, au tequila là, pour les docteurs, qui étaient complètement défoncés.
Je les verrai, je te jure que je les verrai plus de la même façon. C'est improbable comme moment. Il me réclame une chanson. Dis-toi, est-ce que tu vois le docteur je crois qu'il est jamaïcain. Mais en tout cas, l'Iron, ça te dit quelque chose ? Je ne connais pas les noms des médecins. Mais ouais, qui a un accent... Ouais. Et on a chanté, tiens-toi bien, Confession nocturne, ensemble en duo. C'était iconique. Je à deux doigts de le faire monter sur scène la prochaine fois et de faire cette chanson là un peu plus sérieusement parce que c'était trop drôle. C'était trop drôle à faire. Ah là 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 là. Alors, le stockage. OK. Farine. Tu fais quoi là ? Tu transformes. Ouais, je t'aide un petit peu. Moi qui avais prévu 4000 de levure et 800 de farine, je sais pas combien de farine on va commander, mais les pauvres ils vont plus en pouvoir. Bah, en vrai, c'est tellement notre élément principal avec le houblon et l'orge que. Plus parce que je crois qu'il y en a partout. Levure. Clairement. Bah, dans tout ce qui est alcool en fait, dès qu'il y a levure. Ouais. On va avoir un problème avec le champ de canne, je pense. Hein. Ouais. Ou alors, il faut plus avoir d'employés, enfin, il faut plus recruter, quoi. C'est ça. Parce que le truc, c'est qu'en fait, c'est notre... Enfin, le faire le rhum sans alcool et l'exporter, c'est vraiment le plus gros de notre travail, quoi. Ouais, clairement. Mais ouais, on va revoir ça pour trouver... notamment les bières sans alcool. On va peut-être passer à ça, tu vois. Pour l'export ? Non, pas pour l'export, mais pour la vente dans les. On va pouvoir en vendre pas mal, je pense, dans les stocks des. Oh, j'y arrivais. Des bars. Ah oui. On envisageait de faire plusieurs voyages par jour. On va voir ça. Ok. Genre, un truc dire, on peut passer trois fois dans la journée, en 24 heures, on peut passer trois fois dans un livré sans bière, tu vois, ou 200 bières, tu vois. Ouais. On va voir ça. On va voir comment les stocks, si les bars acceptent ça. Comme ça permet aux équipes d'apporter aussi, de faire des tournées de sans alcool pour les nouveaux, etc. Mais de toute façon, ça va amener à évoluer aussi. Faut que je bosse là-dessus. Je vais faire une fiche format, une fiche formation et un trombinoscope. C'est mon programme de cette semaine. Cool. Comme ça, quand dans les prochaines semaines, quand il y a des nouveaux qui vont arriver, vous aurez une fiche formation directe, en fait. Comme ça, voilà, ça sera plus simple pour vous, dans le sens... l'idée, c'est que soit on arrête ce principe d'intérim, ou on le modifie dans le sens intérim, dans le sens période d'essai. Et ce que je voudrais, c'est qu'en gros, la fiche formation, elle est sorte de validation. Une première validation, lorsqu'on lui a expliqué, on lui a montré, etc. Et une deuxième validation, que tous les cadres et directions valident au fur et à mesure, soit en tournant avec lui ou en le voyant, etc. Et en mode, ah c'est bon ça, je sens que la personne, elle l'a acquis. Et en fait, si la personne, elle l'a acquis en un jour, eh ben, on la valide en un jour. Si la personne, elle a validé en 5 jours, ça prend un peu plus de temps parce qu'elle a un peu plus de mal sur telle et telle chose, ben, on travaillera dessus. Et comme ça sera validé, etc. Tu vois le truc ? Ouais, je vois, ouais.
Mais du coup, quand vous dites intérim, c'est en fait les employés, ceux qui sont employés. Ouais, c'est la petite période d'essai, voir si ça plaît à la personne et à nous. Enfin, tu vois, c'est aussi Non, la parce personne que. qu'elle se sente bien. Ouais. Parce que hier, quand vous parliez d'intérim, je pensais qu'il y avait intérim, employé et après Non. brasseur, tu vois. Non, 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 non. Ok. C'est une petite période. Mais ouais, je suis d'accord, faut qu'on change les termes. Je suppose qu'il y a déjà de la farine qui est arrivée aujourd'hui de la ferme. Je crois, je sais pas. Je crois que c'est déjà arrivé. Mais je vais Facture. redemander. Je vais redemander. Y a Tam qui a fait Une commande, ouais. une commande, ouais. Mais je vais voir, mais je pense qu'il faut qu'on fasse au moins une commande de farine, comme ça on a un restock, quoi. Quitte à ce qu'il nous amène deux camions de farine, et faut que je regarde combien il reste de place dans le stock, dans le stockage. Il y a plus de farine du coup là? T'avais pris les dernières? Les derniers Non, je crois sacs? qu'il en reste une vingtaine. Ok, parfait. Nickel. Je crois que les commandes de la ferme, ils ont tout fait ce matin. Oui, mais ils ont fait que 500. En fait, on va essayer d'en refaire une au moins pour la farine cet après-midi. Mais oui, je viens de voir ça qu'ils avaient fait pour le reste ce matin. Mais la farine, on en a vraiment besoin. Parce que tu vois, j'avais prévu dans les stockages. Si on regarde là, il y a 4 300 de levure. Donc c'est parfait. C'est ce que je voulais comme minimal de fond. Et j'en voudrais rajouter 600 sacs de farine, comme ça, dès qu'on voit que le stock de levure baisse, et ben on refait de la levure, tu vois. Mais pour ça, il faut une commande. Oh bordel, Emilio. Ok. Et ben je vais appeler Emilio et on va se débrouiller. Ok. Allez. Tu fais quoi là du coup? Je sais pas, vu que nous on vient de revenir du champ. Ouais. J'attends de voir ce que les autres veulent faire. Carrément, carrément. Bon, une petite. J'ai pas de binôme cette fois. C'est terrible ça! Ils Ah sont tous bon, en. mais. Ils sont tous en binôme! Ils sont tous en binôme! C'est inadmissible. Quasiment, Inadmissible. ouais. Ça va peut-être venir cet après-midi. Moi, je suis désolée, je voudrais bien en faire avec toi, mais je dois rester ici pour justement regarder les stocks Non, pas et poussé. etc. Comme j'ai dit, j'ai déjà tourné un peu ce matin avec Pierre, donc. Ouais. Il est cool, Pierre. Oh oui, c'est bien Allez. marré. Ah bah tu m'étonnes. C'est un sacré personnage. On a bien Allez. rigolé, bien mis dans le bain. Ouais, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On a bien pu vous repourrir tous les deux. Ah bah parfait ça. C'est pas mal ça. Check. Coucou Zeno. Comment il va? Comment il va le Zeno? Après, hier, on avait fait deux commandes à Sony. Bah oui, c'est pour ça. Ouais, je vais voir. Je pense qu'on va relancer dans l'après-midi ou soirée une deuxième commande. À mon avis, ça va être ça. Hein. En vrai, je pense qu'au quotidien, ça va être deux commandes. Sony, ils vont plus en pouvoir. On n'en peut plus! Bah tant mieux, en vrai, eux aussi, hein, du coup, ça va leur donner une nouvelle façon de faire parce qu'ils savent qu'au quotidien, il y aura forcément à gérer, à minima, ces commandes-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, eux aussi, hein, je pense que j'ai eu Ella au téléphone tout à l'heure et elle me disait clairement que ça, y a tout un nouveau système qui allait se lancer, tu vois. C'est une nouvelle dynamique, quoi, normal. Ouais, c'est sûr, ouais. Hop là, bah parfait. Ça, c'est nickel. 500, 500, 5000, 5000. Toc, toc, toc.
J'avais dit quoi moi déjà? Je sais même plus ce que j'ai dit. Tchouk. Ok. Donc, pommes de terre, on est super bon. Orange, pommes orange. Il faudrait que je vois pour demander peut-être 400 de chaque. Et farine. Ok, bon, je vais envoyer un message. Je vais faire une commande du coup. Ouais, ça marche. Je vais faire une commande un peu de fruits. Et ouais, farine. Parce que. Tu vois. Il y a trois parts, ils n'ont pas été livrés en bière avec. Bah c'est ça, donc je vais faire une commande fruits et une commande de un camion fruits, un camion farine. Comme ça on aura de la farine et un peu de fruits, parce qu'on n'est pas non plus mal, mais voilà. Les pommes de terre on en a bien plus, donc c'est nickel. Et ben c'est parti, je fais l'appel, allez c'est parti. Ah, il s'enfuit. Oh no. Il va bien. Il y a Swan, elle a mis sa cover. Oui, je vais pouvoir l'écouter. Je vais pouvoir écouter la cover de Swan. Je suis trop contente. Je sens que je vais écouter que ça là pendant quelques. Ah. Terrible. Oh là là. Alors. Oh pardon. Je t'ai poussé. Non, t'inquiète, y'a pas de mal. Est-ce qu'on peut tester un truc, voir si les 4 passent ou pas? Si vous poussez un peu vos camions, que vous essayez de les serrer? Ouais, on peut toujours essayer. Juste essayer pour voir. Bouge pas, j'ai demandé à ce qu'ils poussent les camions, voir si on peut mettre les 4 ou pas du tout. Oui, en fait, il y a moyen de mettre les 4, je pense. Mais bah ouais, je pense. Le problème, ça va être pour les décharger. Et rendre. C'est trop collé, mais bon. Ouais, c'est ça. Bah, on va tester vu que là, les 4 sont sortis, donc autant. Et bonjour. Et salut, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, nickel. Je suis contente de te voir là. Moi aussi. Ah, c'est surtout ça qui m'inquiète. C'est surtout ça qui m'inquiète. Moi, le mien, je ne pourrais pas rentrer dedans une fois qu'il sera. Ok. Bon, là, ça marche. Voilà. Et lui aussi non plus, je pense. Donc en fait, je pense que ça passe, mais que tout le monde est bien bloqué, quoi. Ça passe pas méga. Ah ouais, non, ça va être chaud. Non, ça va être chaud en vrai. Alors, il va passer. Il passe. Non, mais il passe. Mais du coup. Ah oui, non. Ah, ça passe pas. What the fuck? Bon, bah. Oui, je pensais pas qu'il était aussi bas. Voilà. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a le toit. Fais gaffe, hein. Mais il y a le toit. Ouais. Ça m'étonnerait. Ouais, non, ça passe pas. Ah non, ça passe pas. Wow. Ouais. Merci tout le monde. C'est un échec, mais c'est formidable. On a essayé. Les bières. Ouais, c'est ça, ouais. Pour les alcools forts, 100, c'est ça, de chaque. Ça va pas être. Il m'a pas redit si on faisait ça ou pas, du coup. On fait 30. Oui. Ah, pour les livraisons aujourd'hui. Moi j'ai fait 100 tout à l'heure, mais. Ouais, et ça a bien fonctionné du coup. Ouais, c'était ok en vrai. Ouais. Mais en fait, l'intérêt là, ça va être dans les prochains jours. Faudra nous dire comment vous avez fait, etc. Ce que j'ai proposé, 30, etc. Ouais. C'était, on va dire, une première proposition, etc. Et ça va être totalement modifié dans les prochains jours, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc ouais. Là, t'as fait quoi? T'as fait 100, on va dire 100 de tout, 100 de 1. T'as fait genre 100 vodka. Alcool fort, j'ai fait 100, ouais. Donc t'as fait 100 de vodka, quoi, en gros. Ouais, 100 de vodka, rhum, whisky, quoi. Ok. 3.
Et t'as livré les trois au même bar? J'ai livré les trois au même bar. T'as livré une première fois la vodka, puis une deuxième fois la truc, ou tu les as tous faits et t'en as livré 300? Non, les 300 ça rentre pas. Oui, on est d'accord. Ouais, les 300 ça rentre pas non. Okay, c'est pas comme les bières 500 ça. Bah ça oui, oui, les bières ça y va. Ça y va. Ok. Ouais, les bières, j'ai fait 500 de chaque à chaque fois. Ok. Un seul camion? Ouais, un camion entier. Alors, du coup, camion ou les petits burritos? Les burritos, on en a qu'un seul pour l'instant. Oui, donc c'est pour ça. Ok. Donc, là, on n'a pas accès à la canne à sucre. Sachant que dans les burritos, c'est 400 et c'est pas 500. Hein. Ouais, ouais, bon, c'est déjà ça, mais ok. Ouais, parce qu'il fait que 200 kilos le burrito. Nickel. Et là, du coup, je pense que tout le monde va partir en livraison. Ouais. Ouais. Du coup, on part sur 400 pour les bières. Ouais. 100 pour les alcools forts. Et 400 pour les sans-alcool. Sachant que sur les bières, s'ils font dans les pounders, ils peuvent faire 500. Hein. Oui. Parce que dans les pounders, on peut mettre 500. C'est que dans les burritos qu'on met 4. Après, si est-ce que le burrito, on le garderait pas pour les alcools forts, du coup? Oh, si, on peut mettre l'alcool fort dans le burrito, ouais, carrément. Ouais. Enfin, on garde les pounders pour les bières et les sans-alcool. Ouais. Hop. Ça me va. Ok. Ouh. Tu montes dans le bourg. Ouais. Tu disais quoi? Je disais d'uniformiser les. Parce que sinon, j'ai la. Et après, c'est aussi si on identifie. Imaginons qu'il y ait quelqu'un qui connaisse le fait qu'on livre Pierre dans ce camion. Qui va où et qui va quoi dans le plutôt, c'est-à-dire qu'il pourrait cibler plus spécifiquement. Alexander, il fait des bières au bas. Major. Donc, il faudrait peut-être avoir un truc comme ça, en mode même si on peut faire avec l'un ou l'autre véhicule, au moins, c'est pas identifiable aussi. Ouais. Ça pourrait éviter de faire cibler des vols. Ouais, complètement. Ok, oui, je vois tout à fait. Au pire, uniformiser les bières en disant c'est 400, que ça soit camion ou autre. Ouais, ok. Carrément. Parce que les camions à la rigueur livrent 400 bières et 100 d'un alcool. Oui. Ouais. Bon, je vais regarder ça. Alors, le stockage. Oui, il faut que je fasse un appel. Non, on est presque à 6. Ouais. Oh, non, on est bien par rapport à ce que j'avais demandé. Je vais refaire une commande de pommes, oranges et farine. Comme ça, on aura aussi ça en stock à faire. Enfin, à avoir en stock. Tout à l'heure, j'ai vu levure, on est plus au. Comment? Stockage minimum, je crois, levure. Ah, levure, c'était 4000, donc c'est bon. Non, mais c'est bon. Et du coup, je vais racheter de la farine. Ouais. Comme ça, on aura aussi le stock de farine. Parce qu'en gros, j'ai compté 800 de farine. Parce qu'en fait, 800 de farine, ça fait les 4000 de levure. Donc si on siphonne la levure dans une journée, on aura toujours le stock de farine pour nous sauver la mise. Voilà, c'est mon petit truc. La levure, c'est la vie. Donc, j'ai vu qu'il manquait un truc dans votre règlement. Dis-moi. Préfère mention qu'il ne faut pas se servir de l'essence en dehors du service. Ah, il n'y a pas non. Ah oui, on va rajouter ça alors. Je vais rajouter ça. C'est évident, mais il y en a encore pas en règlement. Ouais, t'as raison. Merci beaucoup. Je note ça. Quel camion sorti? En dehors des camions, plus précisément, c'est en dehors des services, il y en a encore joué avec les mots. En vrai. Du coup, la formulation serait en dehors des véhicules d'emploi principaux. Voilà. Parce que ça sous-entendrait tous les véhicules actuels et futurs, c'est un peu mieux que de devoir réécrire leur le truc tout le temps. Mais c'est vrai que c'est pas bête. Ça pourrait éviter qu'il y en ait un qui ait la mauvaise idée. Ou en tout cas qu'il l'ait, au moins il est conscient du risque. J'ai déjà vu, c'est pour ça que je le dis. Hop. Après ici, évidemment, je viens d'arriver. Voilà. Ouais. Mais je pensais qu'elle l'avait mis, mais tu vois. Je pense que ça va être marrant, c'est le jour où il y en a qui se trompent dans le frigo. Ok, bon. Qu'est-ce que je vais chercher? Je vais faire des bières sans alcool. Tu vas faire des bières? Ouais, je vais faire des bières sans alcool et je vais faire une tournée. On en met combien par... C'est 500 les bières. On met 500 par bar. 500 par bar, ouais. Ok. Ouais, pour le Bahamas, je suis en train de faire de la bière, mais je pense que je vais faire un deuxième truc aussi. Si le poids, ça passe. Okay. Je vais faire mon camion complet, puis je vais faire le tour des bars. Ça marche aussi, comme raisonnement. Des bières ou des bières sans alcool? Sans alcool.
Ouais, je fais sans alcool. Je vais remplir le camion, donc ça va m'en faire 1000 et des poussières. Et puis, je vais voir. Ok, canne à sucre, de toute façon, il faut le laisser tranquille. Qu'est-ce que je... Bah, Là, je je vais crois aller que tous les rechercher du champs. houblon alors. Du coup, Marissa, tu veux faire un De binôme l'orge, il ou. était. Il commençait à tirer la gueule aussi. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut embarquer Marissa pour faire la livraison? Pour faire à deux? T'as dit Bah quoi, oui, j'ai pas pas de compris. soucis. Hein. Est-ce que quelqu'un peut prendre Marissa avec elle pour faire à deux la livraison? Comme ça, elle Ouais, peut. mais Ah oui, pas bah de soucis. Hein. moi je fais pas de livraison, du coup, bah Ah. ouais, archi alors. Archie, tu peux? Non, mais. Oh, ouais, carrément. Parfait. Et ben voilà. Nickel. Je Sunny, vais aller Sunny, rechercher. Sunny, Sunny. Bah, du coup, je vais aller chercher de l'orge. Ouais, de l'orge, c'est ça qui est le moins. Bah, du coup, Marc, je Nickel. pense que Allez, c'est tu parti. peux ranger le camion, je suis en binôme avec quoi. Ça marche, pas de Nous soucis. sommes en. Tranquille. Tranquille, je vais ranger le camion. Je veux que tu me passes le double de tes clés du coup, Archibald. Ouais, je te donne ça. Oh, t'inquiète, deuxième. C'est quoi la plaque de celui-là? Attends, je te donne la scène. Parce que j'ai eu un accident et j'en ai eu deux. Mais c'est moi qui ai récupéré ton Ah, ok, d'accord. camion. Hop là. Je suis à mon bureau en face, c'est-à-dire en haut des escaliers, tout en bas là. Ok, ça marche. Si vous avez besoin de moi, ok? Ok, ça J'essaie de me roule. concentrer 5 minutes sur la paperasse. À tout à l'heure. Bonne paperasse. Merci. Terrible. Je suis trop contente de voir les motards. D'avoir les vies dans les effectifs. Ça fait trop plaisir. Quand je vais, Zeno, je vais super bien. Hier soir, Zeno, si tu veux regarder la VOD, Ashmé a peut-être refait un concert à l'improviste au Tequilala. Donc si tu as envie de mater ça, je t'en prie. Question. Oui. Là, du coup, j'avais noté dans prise de service comme quoi j'avais pris prise de service à la couleur 1. Ouais. Sauf que là, du coup, je change pour prendre le burrito vu qu'on va livrer des alcools forts. C'est quoi? Fin de service poudre, prise de service burrito? Eh ben, moi, je te dirais bien de modifier ton. Oh, quoi que. En fait, il n'est pas du tout pratique ça. Ah bah, un dispatch serait plus Non, parce que j'ai demandé à Mathias à quoi ça servait et pourquoi on n'utilisait pas juste les immeubles dans le garage. Oui. Il m'a dit comme ça, je peux savoir qui c'est qui range le véhicule en mauvais état. Ah oui, d'accord. Oui, Donc non, mais quelqu'un faut... qui range le véhicule et quelqu'un d'autre le ressort, tu sais pas qui c'est qui l'a mis en mauvais état. Non, de ouf, de ouf. Non, non, je suis d'accord. Et puis surtout que... ça, en fait, ça pouvait être C'était logique. illisible. C'est ça. Non, mais tu sais quoi? Mets juste ton émote sur le burrito. Ok. Tu l'as enlevé sur le 1, donc c'est nickel. Et moi, je vais en discuter avec Mathias parce que je ne trouve pas que ça soit très comment dire, lisible non plus. Maintenant, on est beaucoup, donc ça devient pas lisible en fait. Ouais, c'est ça. Mais du coup, t'as une prise de service qui est tout en haut, puis t'as une fin de Ouais. service, elle est perdue au milieu des autres. Tu sais plus en fait Donc, qui est en service et qui l'est c'est pas. ça. Donc je pense proposer une V1 de mon dispatch qui ne serait que un dispatch de véhicule. Voilà. Comme ça, il y a vraiment juste cette idée de on met juste les véhicules et comme ça on sait qui l'a pris et puis basta. Voilà. Je vais réfléchir à ça aussi. Mais moi non plus je trouve pas ça. Voilà. Faut que j'en discute avec Tam et Mathias. C'est pas viable à long terme ce type de channel. Donc, Mais... mais juste le burrito. Tu vas livrer là du coup? Ah oui, avec. Mais en fait, on va livrer puisque le sang de canne à sucre, il était. Ouais, j'ai vu ça. Il était mort. En fait, on peut que livrer là. Hmm.
Ouais, ça livrait de l'alcool fort et Mathilda et Marc. Nickel, nickel. Qui m'a dit. Ça va les équipes et tout Ouais, ça a l'air d'aller. Tout le monde a l'air de bien discuter, etc. Ça fait plaisir. C'était avec c'est avec Archibald et ça allait. Ouais. Et tout à l'heure, j'ai vu Alexandra. Ok. Il avait demandé à Marc de faire une tournée avec. Ouais. Pour bien comprendre tout ce qu'il fallait, quoi. Oh, c'est cool. Après, ensemble, j'ai combien de personnes encore? On va s'arrêter à. Alors, attends. On va s'arrêter à 15. Pour les... déjà à 14, hein? Ouais. Et on s'arrête à 15. Il y a une seule personne qui va arriver. Et après, ça va stopper pendant quelques semaines. En fait, moi, ce que j'attends surtout, c'est de voir si les 15 sont OK. Ça leur plaît, est-ce qu'ils sont satisfaits, etc. Parce que bon, y a un monde aussi où, après quelques jours, ça leur convient pas, tu vois. Et ça serait OK. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Donc, 15. Parce que, en fait, là, après le 15e, moi, ce que je veux, c'est aussi faire bien préparer ma fiche format, etc. Comme ça, lorsqu'on réouvrira. Et ah oui, et puis on n'en aura que 25 maximum. Combien t'as dit? 25. Ah oui. Ouais. Après, il faut voir parce que là, tu vois, par exemple, combien en service? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ouais. 9 en service. Là, du coup, sur des livraisons. Oui. Parce qu'on peut pas faire, on peut pas utiliser le quoi. On peut pas quoi? On peut pas utiliser le genre de canne à sucre. Ouais. Après, je sais pas si ça va continuer ou il y a autant de monde qui travaille en même temps, quoi. Oui, c'est. Je pense qu'on n'a pas le. On n'a pas le. Comment? On n'a pas le recul là-dessus, je pense, encore. Mais oui, en gros, ça va être ça. Ça va être ça. Ça va être 15 pour l'instant et 25 quand on sera vraiment bien installé. On n'ira que jusqu'à 25. Et en gros, on va surtout pas en prendre plus. Tant qu'on n'a pas un stock complet de camions, qu'on n'a pas... tu vois. Oh là, qu'est-ce qui se passe, Lévi? Le champ de orge, il commence à faire la gueule aussi. Ah ouais. Le champ se reposer un peu. Hop là. Et les gens, ils ont. Mathias m'a dit qu'ils avaient été fertilisés pour qu'ils produisent plus. Ouais. Mais ça n'a pas encore été fait, si. Si. Je crois que juste. J'ai pas vraiment l'impression. Donc. Hop là, je vais faire une note. Hein, on va faire une note. Hein. Merci. Bon courage. Aussi, d'y aller aussi tranquille. laisser au repos le champ d'orge. Ça marche. Dis que t'as besoin. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi, Vicky. De laisser au repos le champ d'orge. Pendant quelques heures et prendre
directement dans le stockage. Nickel. Et salut Fireteam, comment ça va? Comment tu vas? J'ai vu rapidement le nom de ton stream, c'est... Je dois m'inquiéter, c'est ça? Je dois m'inquiéter pour... Je dois m'inquiéter pour... Ah là là, terrible, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de choses qui se... Je dois m'inquiéter pour Léon. Hop. Mais je sais que c'est qu'un personnage fictif. J'étais en mode ah. Oh no. Oui, allô. Oui, allô. Ça va être ma faute maintenant si tu parles la nuit. Non, mais c'est pas ça. Mais... M'écoute pas, et puis c'est tout. Très difficile, oui. Et... dis-moi, est-ce que tu peux me donner l'emplacement exact du lieu de skate park? Je n'arrive pas à le retrouver. Celui du sud? Non, celui du nord, où je vais emmener les artistes, oui. Quoi. Oui, oui, oui. Oui, le Junkie Land, ouais. Oui, d'accord. Bah, donc, oui. Donc, je résume. Moi, je dois répondre à tes questions, et moi, quand je t'envoie des questions, tu ne me réponds pas. C'est quoi? C'était quoi ta question? Ah bah d'accord, super. Salaire. Ah oui, bah excuse-moi, j'ai pas eu le temps. Je t'ai appelé et je vais faire ça. Je te réponds là-dessus, ok? Non, je te charrie. Alors, je t'envoie le point directement pour le truc, d'accord? Yes, ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, bah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. On a eu. Hop, hop. Du coup, qu'est-ce qu'il veut? Me donner le salaire qu'avait Sony. Oh là là, mais j'en ai aucune idée. C'était 125. Pour les essais, 150 brasseurs, comptable, 225 direction, DRH et comptable, brasseur expérimenté, 175. Expert, cadre, patron, DRH, le mien, et employé par défaut 125. Ouais, donc c'est ça. Tchouk. C'est chiant qu'on puisse pas répondre aux messages. Ça me trigger à chaque fois. Alors. À la distillerie. À la distillerie. 125. Employé. 150. Brasseur. 175. Expert.
cadre et 225 direction. Pour Sunny, je ne sais plus. C'était quoi déjà? Merde. J'avais un salaire de 190, j'ai mon souvenir, pour fermière. Mais... Ouais. Alors, destination. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Ok. Oui, si. Ok. Est Joshua Road, en dessous de Crab City. Ok. Alors. Hop. Ok. Mais oui, du coup, Zeno, hier soir, il y a eu donc il y a eu ça. Bon, il y a eu pas mal de paperasse et de gestion, évidemment. Je vais en faire un clip d'ailleurs, mais Ashmet a eu un accident de moto. Bon, tout lambda, en vrai, l'accident n'était pas extraordinaire. Et elle a été à l'hosto et elle appelle Emilio pour savoir si Emilio pouvait venir la chercher. Et c'est pas du tout Emilio qui est venu la chercher, c'est littéralement tous les motards. Et donc t'as une scène où t'as tous les motards qui arrivent, qui se garent, et le chef, le presse des motards qui arrive comme ça et qui parle à Ashmet. Et oh là là, j'étais pas bien. C'était trop bizarre comme moment, c'était incroyable. Incroyable comme moment. Et du coup, pendant 2 heures, après le concert, pendant 2 heures... ouais, dans la classe. Je te jure, le clip est incroyable. Il faut que je le fasse. Il faut que je prenne le temps de le faire, là. Je pense vers 17h, je vais cut pour faire ça. Enfin, et d'autres trucs, mais voilà. Et après, du coup, pendant 2 heures, Ash et Emilio ont parlé. On parlait de plein de choses, voilà, du quotidien de Ash qui a évolué, etc. Et on a aussi parlé de ce qu'on avait commencé à parler samedi soir, tant bien que mal, c'est la demande qui a été faite à Ash de dire ou pas si elle voulait être officiellement la régulière des mignots. Ça me tue, ça. Donc du coup, Ash... Asha a dit oui, et Emilio lui a expliqué tout ce que ça voulait dire, et d'où je l'ai quand même noté, parce que voilà, mais en gros, tout ce que je vais devoir faire, ou pas faire, ou accepter, ouais, la régulière c'est horrible, alors, surtout que Ash est extrêmement libre, et etc., je voulais pas faire un RP libre, c'est juste que de femmes libres, on va dire, et libérées avec plusieurs partenaires. C'est juste qu'il y a eu plusieurs ouvertures de RP possibles, etc., des réflexions et tout. Et en fait, Emilio la laisse quand même relativement libre. Enfin, elle se sent pas fermée comme Mathias avait pu la faire ressentir. C'est pas du tout la même ambiance, en fait. Terrible. Merci. Il y,
y a eu une flinch situation, exactement Zeno, une grosse flinch situation. Et du coup, je pensais ni jouer la fidélité, ni jouer la fille qui va partout. Et en fait, si je pourrais faire ça, enfin, c'est pas un RP qui me dérange. Mais ça peut être très mal vu par les autres, en fait. J'ai pas envie de... En fait, c'est HRP parlant, je n'ai pas envie de recevoir de la part de personnages que ma hache ressente du rejet parce qu'elle est libre, en fait. C'est très compliqué. Et j'ai pas envie aujourd'hui de jouer des trucs comme ça. Et Mathias, en fait, il a tout de suite prise pour acquis. C'était vraiment genre... oui, bah, quand on va habiter ensemble, c'était limite... oui, bah, quand on va se marier, tu vas être à côté de moi. Quand je serai gouverneur, tu seras là, derrière, comme ça, là, en petite robe, derrière moi, avec des petits talons. Je me sentais tellement... Genre, H, elle était en mode... mais comment ça? Comment ça? Mais j'ai rien demandé, moi. Et en fait, Emilio lui propose, malgré ce statut un peu chelou, régulière, c'est un peu bizarre comme truc, parce que, de ce que j'ai compris, les motards ont le droit d'avoir plusieurs... personnes, ils peuvent voir plusieurs personnes, mais il y en a une, entre guillemets, qu'ils mettent en avant en disant bah, c'est ma régulière, c'est celle que je vois le plus souvent. Mais ils ont le droit d'aller voir ailleurs, en gros. Donc moi, je vais faire ma connasse en me disant et moi, alors de coup, je peux aller voir ailleurs. Je vais tellement. Elle veut pas être femme d'eux, c'est ça, exactement. Et là, la façon dont il a porté le côté régulière, il a quand même dit en fait, en gros, potentiellement, tu seras vue comme une grande sœur, la grande sœur d'eux ou la maman d'eux. Bah, en fait. J'étais en mode oh c'est pas la même chose là c'est pas la même chose, j'ai pas le même rôle, c'est plus pour les autres en fait plus qu'autre chose, mais voilà. Mais 100% H fait que de faire chier Emilio en disant ah ouais, donc si je suis régulière, c'est à dire que tu vas en voir d'autres, mais si tu vas en voir d'autres, moi aussi je vais en voir d'autres. Mais je l'adore, mais je l'adore Lévi. Donc on verra, mais H l'embête H l'embête là-dessus, clairement. Elle fait que de lui dire là-dessus, et comme il est au courant parfaitement de toute la vie de H, bah forcément c'est encore plus impactant évidemment sur leur discussion et la situation. Mais voilà, voilà ce qui s'est passé hier. En vrai, le concert, c'était un vrai banger. Pour te dire, Zeno, j'ai chanté Confession Nocturne avec un personnage, du coup, un joueur. Je pense que là, clairement, c'était plus le personnage et H. C'était plus l'Iron et H. C'était clairement le joueur et moi. On s'est amusé à reprendre cette chanson-là. On a fait Santiano. C'était hilarant. C'était hilarant. Faire Confession Nocturne, là, comme ça, avec un inconnu en RP, c'était une scène. C'était trop bien. Trop, trop drôle à jouer. Et du coup... Ouais, non mais Confession Nocturne. Je me souvenais plus de toutes les paroles et tous les airs, mais ça l'a fait. Je l'ai pas réécouté, mais ça, c'était cool.
ben je te hype, je te hype, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux pour te hyper, mon Zeno. Et ah oui, si, ma sœur, IRL, a débarqué sur mon live à 1h30 du matin, quand j'étais en train de chanter du Kyo. Et je m'y attendais pas. Enfin, j'ai l'air, ma sœur, il connaît rien du tout, ni en jeux vidéo, ni en GTA, ni en RP, ni en Twitch. Alors je m'attendais encore moins qu'elle soit sur Twitch. Et là, je vois le petit message, premier message de cet utilisateur. Et elle met des frissons et tout, et elle me renvoie un MP après en me disant non mais ta voix elle a trop changé, etc. Parce que c'est vrai que je chante pas du tout en fait dans ma famille, je chante pas à ma famille, on me le demande pas et moi je vais pas forcer. Oui, oui. Allô. Est-ce que je te dérange? Non, du tout. Alors tout à l'heure Emilio m'a posé une question, alors je te le demande à toi évidemment. Mmh. Par rapport à l'entreprise, il m'a demandé si je pouvais essayer d'avoir l'échelle des salaires. Oui, je lui ai passé déjà. Ok, nickel. Bon, bah, c'est bien, tant mieux. Mmh. Et oui, il voulait se renseigner pour le Raven, etc. Ouais. Pour que Léo s'aligne. Okay. Ouais, c'est, bon, c'est nickel. Il m'a renvoyé. Il n'y a pas de souci. Ok, bah, très bien. Donc voilà. Ok, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je suis perché là. T'es perché, c'est-à-dire fumé? Non. Alors, non, me tente pas, j'en aurais besoin. Non, je suis perchée sur le bureau où je me suis choisie au dépôt, en train de faire de la paperasse. Ah. Tu me verras. Si tu passes au dépôt, tu verras une petite plante verte en plein milieu d'un toit. Verte et jaune, tu veux dire? Non, je suis tout en verte, là. Ah. Je suis tout en verte. Pourquoi on est tout... Et pourquoi les tenues vertes et jaunes et les tenues vertes? Alors, bonne question. Et t'inquiète pas, ça va changer ça. On a un petit peu fait de shopping avec Tam. Oui. Est-ce que je serai encore tout en vert ou pas? Est-ce que tu seras encore tout en vert? Ouais. Non, tu seras en noir, vert et un petit peu de jaune. Ok, ça me va. Tu ne seras pas en vert et surtout tu ne seras pas en vert pomme, si ça peut te rassurer. Ah oui, ah, ça me rassure beaucoup. Ouais, ça te rassure beaucoup, hein. Mais voilà, ah, oui. T'inquiète pas. On a changé toutes les tenues et on a changé un peu de style, etc. Mais pour avoir ce côté un peu jaune, vert et noir. Ok, parfait, okay. Alors. Voilà. Si ça peut rassurer. Mais c'est vrai que bah, c'est Mathias qui s'est un peu occupé des tenues des hommes et on a validé et c'est nickel. Oui, après il a fallu. Les tenues qu'on a là, c'est surtout qu'à mon avis, il a fallu aller vite. Et, ouais. Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. On est d'accord. Voilà. Ok, très bien. Et ben, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, Mima. Ah oui. Oui, je. Évidemment. Emilio, pas du tout rassurant. Je te passe son numéro, mais oublie pas que c'est un chef de groupe, hein. Elle est pas conne, elle sait, hein. Elle a déliré avec eux, mais elle est consciente, hein, que c'est un groupe crimi, hein. Putain, terrible. Hier soir, il y avait une scène Zeno. Est-ce que tu te souviens de la scène quand Kim revient? Enfin, d'ailleurs, même la scène dans RPZ, mais la scène quand Kim revient à Los Santos et que Miguel lui refait croire une deuxième fois qu'il fait de l'import-export et qu'il est pas du tout un malandrin. Tu te souviens de ça, Zeno? Parce qu'il s'est passé exactement la même chose hier soir. Emilio qui dit à Ash, oui, non, mais parce que bon, je sais pas si t'as vraiment conscience de qui je suis, de ce que je fais dans la vie. Emilio, mais... Emilio, il y a un moment donné où je suis pas débile. Genre, Emilio, tu crois que je suis de la dernière pluie? Parce que littéralement, deux jours avant, quand Emilio a fait sa soirée de burn... Enfin, de... Sa soirée de... Comment d'amnésie.
il dit à Ash, oui, je comprends pas, j'ai des trucs verts dans la poche, je peux te les donner. Alors je m'en doutais que c'était de la weed. Donc je dis, oui, vas-y, donne-moi ça. Et donc j'ai repassé ça à un des gars des motards. Et il me fait, non, mais j'ai d'autres trucs verts et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a comme truc vert? Et là, il me passe de l'argent. Mais je m'en doutais que c'était de l'argent sale, putain. Et en fait, on ne peut pas savoir si c'est de l'argent sale ou pas. Enfin, en gros, c'est donné en propre, donné en sale. Et si tu le mets à la banque, eh ben, y a un certain pourcentage qui était sale. Et en fait, que la banque n'accepte pas. Normal, tu vois. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on a du sale. De ce que j'ai compris du système, ça a l'air d'être ça. Et du coup, bah, je repasse ça à ça. Mais voilà, donc... Genre, rien qu'avec ça, évidemment que je savais qu'il était voilà. Et je me souviens, on a volé un... On avait volé un... Oh, je vais y arriver. On a volé un bateau et je crois qu'une fois, il est venu chercher H en voiture et c'était une voiture volée. Et il a fait comprendre vaguement à H que c'était pas la sienne, quoi. Et Ash a tant bien que mal essayé de lui faire comprendre que ça, elle s'en foutait, que c'était du matériel, de la vente, et que c'était ça, ça la touchait pas en fait, qu'il faisait ce qu'il voulait, et que bon, bah, s'il se fait attraper, il se fait attraper, et puis bah, voilà. Elle a essayé de lui faire comprendre que la seule chose qui était importante pour elle, c'était qu'on n'attaque pas les civils, qu'on n'attaque pas les innocents, en gros. Qu'est-ce que c'est le système de RPZ ? Alors, Kim qui 2182. Kim qui comme paye 2182. Et Jill, parce que je crois que je l'avais pas, Jill 6426. Et normalement, j'ai le reste. Je dois avoir Brian, Dag, Emilio, c'est bon. Bon, c'est bon. Donc, c'est bien ça. Et ben, parfait. Et donc, non, hop. J'ai trop de contacts. J'ai déjà trop de contacts. C'est pas possible. Un mois que je suis là. C'est pas possible. Hop là. Kim. Qui. Compay. Je sais que c'est pas comme ça, mais que ça va changer avec les règles du serveur qui ont été bien réinscrites, mais ça me permet de me souvenir, moi. 2182, ajouter, et Jill. Ah, pour l'argent sale et l'argent propre. Ah, ah bah tu vois, je savais pas. Alors, pour le coup, j'ai suivi beaucoup, hein, RPZ, j'ai regardé énormément de POV, mais ça, j'avais vraiment pas fait attention à ce système-là. Parce qu'on est d'accord que sur 21, l'argent sale, c'est des coupons, c'est ça? C'est genre 1$ sur 1$. Et c'est comme ça qu'on sait que c'est de l'argent sale, non? C'est comme ça sur 21, je crois. Ah bah, Kim, chef Campay, on est d'accord. Et il a le même accent, évidemment. Je t'assure que j'ai l'impression de revivre les débuts de 21. À chaque fois, j'ai l'impression que je vais voir Pablo qui arrive, que je vais voir les verts, etc. Enfin, c'est très étrange, surtout quand je croise les Coréens. Whistle news. Jill. Mais non, d'ailleurs, on va plutôt la mettre en 1. On va plutôt mettre en 1 assaut. LSE Jill. Parce que je vais plus la contacter en tant que LSE artiste que... Ah non, pas du tout. Si. 24. 6. Ok. Ajouter. Tout. Alors l'assaut, Brian. Message. Ah, mais heureusement que j'y suis pas allée du coup. Bonsoir. Bonjour. Au point. J'aurai de quoi
boire et tout. Ok, on est bon. Ah non, mais... Ah oui, c'est vrai. Ah mais oui, je m'en souviens maintenant. Ah mais oui, oui, je m'en souviens du fab. Oh là là. Ah non, mais l'ambiance de début de serve est là, incroyable. En vrai, je suis refaite. Hop. Brian, Dagmar. Bonjour toi. Si jamais tu es toujours perdante pour la petite. Hop là. Eh ben, des bisous. Pas ça. Attends, il faut que j'appelle Ali. Des bisous. Des bisous, Zeno. Bah là tu vois je vais cut là je pense dans 20 minutes et je vais reprendre ce soir vers 19h. Non, zéro chance que ça soit celle de Swan. Pas du tout. Que nini mon ami. je vais l'écouter après, je vais l'écouter dès que je cut. Et des bisous. Hop. Oh putain. Putain, j'ai oublié. Hop. Attendez, il se passe mille choses. C'est pas possible. Prendre l'appel. Hop. Allô? Allô Ali. Salut H, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, nickel. Alors, je t'appelais pour quelque chose, mais du coup je t'appelle pour deux choses. Ah ok, ça va. À la base, je voulais t'appeler il y a 5 minutes pour répondre à ton SMS et du coup voir avec toi, je vais te rajouter sur l'intra de l'asso. Tu y es pas, on est okay, d'accord. Ok, ça marche. Non, j'y suis pas. Donc, je te rajoute, mais genre à l'instant, là. Regarde, attends, je vais arrêter de marcher, je vais prendre mon portable et je vais le faire tout de suite. Hein. Là, je suis attentif, là. Alors, attends, je fais ça, mais alors, fais ça. Tu vas même pas le voir venir. Tu vas même pas le voir venir. Voilà, là, je... Ouais. Hop là! Tada! Ah bah ouais, mais j'ai pas vu, ouais, trop rapide. T'as vu ça? Trop rapide. Nickel. Alors, bienvenue. Je te rajoute tout de suite ton rôle staff. Voilà, comme ça tu vas voir tout ce que tu es censé voir
pour le staff. Je vais pas m'amuser à te faire un check-up complet là maintenant ou par téléphone, ça voudrait rien dire. Est-ce que tu es libre ce soir à 21h? Ah, je peux être libre ce soir à 21h. Ok, regarde sur l'intra dans staff, l'espace événementiel staff, tu vois ce channel? Ouais, c'est bon, j'ai... Voilà, et ben tu vois le dernier message, Emilio, du coup... Ok, il y a une réunion, ouais. Voilà, et du coup, c'est une réunion pour accueillir les nouveaux. Donc, ça va être une réunion où, justement, on va vous expliquer l'intra, on va vous expliquer tout ce qu'on a besoin, etc. Ça va pas forcément être une réunion où vous allez pouvoir, donner tous vos projets, quoi que ce soit. C'est vraiment une réunion de présentation, on va dire. Et l'intra sera là pour justement exposer vos envies et vos propositions. Et comme ça, après, on fera des mini-réunions, etc. Par contre, sur cette première réunion, on va exposer les prochains événements qu'on va faire. Et n'hésite pas, s'il y en a un qui te branche, tu te raccorderas là-dessus. Et comme ça, tu vas pouvoir démarrer direct à travailler, dans le sens bénévole. Comme tu as pu voir dans le contrat, hein, c'est vraiment le temps que tu peux donner à... Sachant qu'on sait très bien que tout le monde travaille et a des activités annexes en général, tu vois. Ouais. Donc tu prends, voilà, c'est vraiment pas une obligation de tout de suite te raccrocher ou quoi, mais si ça t'intéresse et que ça te botte, eh ben tu te raccrocheras. Ok, pas de souci. Ok, voilà pour ça. Donc si à 21h tu peux, c'est au Yellow Jack, tu vois où c'est ? Ouais, c'est bon, t'inquiète. Voilà. Bah, nickel, donc on se donne rendez-vous au Yellow Jack à 21h. Mais du coup, je t'appelais aussi parce que tu viens de faire un message entreprise. Pour la distillerie, ouais. Voilà, et du coup, bah, enchanté. HMEI, DRH. Incroyable, enchanté, Du coup, pour l'instant, on ne recrute pas. On a déjà recruté une. Bah on était trois quand on est arrivé, on a recruté à peu près 13 personnes pour faire un premier. Voilà. Je pense que d'ici une semaine et demie, on va relancer une petite vague de recrutement. Okay. Donc, ce que je peux faire, si tu as envie, je te mets sur la liste, entre guillemets, des personnes qui nous ont contactés, etc. Et à ce moment-là, je pense qu'on appellera d'abord les personnes qui sont sur la liste, et si les personnes sont motivées, bah, on les prendra, et sinon on fera un envoi au Weasel pour dire qu'on recherche. Mais je vais prendre ça. Mais voilà, pour l'instant, on ne recrute pas. Ok, ouais. Ça marche. Voilà. Ça marche. En vrai, il y a pas mal de recrutements un peu partout. Je sais pas si tu voulais absolument travailler à des séries ou si tu cherches en général. À la base, on m'avait parlé du projet Yellow Jack, ouais. Mais j'ai pas de nouvelles par rapport à ça. Du coup, La tenancière. Donc, pour le projet Yellow Jack, je peux te la faire très courte. La tenancière ne souhaite pas revendre. Donc, il n'y aura pas de reprise. Et en fait, Tamara, ma patronne actuelle, c'était elle qui avait fait la demande pour reprendre le Yellow Jack. Et du coup, au lieu de reprendre le Yellow Jack, on lui a proposé de plutôt reprendre la distillerie et donc faire de la création, importation et fabrication de boissons locales, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Donc il y aura pas d'autres. Je pense pas que la tenancière prenne d'autres personnes au Yellow, quoi. Ok. Voilà. Mais du coup, ça sera que de la distribution de... Oui. De denrées au bar, pas de voilà, service, c'est ça. Pas de... Exactement. Non. Pas de service. Ah, c'est dommage, ça. On va faire bientôt des propositions aux gens pour qu'ils viennent chercher directement. Mais nous, on livre les bars et c'est aux bars de gérer leur propre stock et de vendre. Ça marche. Si jamais, quand même, si tu as besoin, envie de travailler quand même dans un environnement sain, moi, avant de travailler, je travaillais à Sunny Grain. C'était vraiment un très bon environnement de travail. Et si tu veux, je peux te passer les numéros des personnes, etc. Ce soir, si tu veux en parler, il y a une des cadres de Sony qui est là, qui est aussi au staff
à l'association. Donc si tu as envie d'en discuter avec elle ce soir, tu peux. Ouais, ok. Bah après, est-ce que c'est vraiment, vu que vous relancez une... enfin, des recrutements dans à peu près une semaine, possiblement, est-ce que ça, ça vaut vraiment le coup que j'aille en fait, postuler ça dépend. En vrai, ça dépend de toi, Ali. Si tu veux patienter, que c'est ok pour toi, que tu peux mettre un peu d'argent, voilà, trouver de quoi faire en attendant, bah tant mieux pour toi. Et si tu as la patience d'attendre qu'on te rappelle, c'est nickel. Mais moi, je peux pas te donner de date précise, quoi. Je peux pas te dire dimanche prochain, c'est sûr, on ouvre de nouveau le recrutement, parce que on a besoin d'une base stable pour comprendre tout le fonctionnement de notre nouvelle entreprise. Et si dans une semaine on constate que c'est vraiment pas possible et qu'il faut prendre un peu plus de temps avec la première équipe, bah, ça se trouve c'est dans 2 semaines qu'on va relancer les recrutements, tu vois. Ouais. Ça se trouve c'est plus tôt. En fait, je peux pas te, tu vois, une semaine c'est sûr. Ça m'étonnerait qu'on s'amuse à recruter là. Je sais qu'il y a une dernière place qui va se prendre, mais il y a déjà quelqu'un qui a été validé pour être pris. C'est juste qu'on attend juste qu'il puisse démissionner à son travail actuel, tu vois. Mais voilà, donc ça dépend de toi. Si tu veux patienter d'ici là, et ben écoute, dès qu'une place se libère ou qu'une place s'ouvre, je te recontacte. Si tu veux pas attendre, et ben essayez de voir avec d'autres. C'est comme toi tu le sens. Ah, je pense que je peux patienter en vrai, ça va. Ouais, je ferai de l'intérim, c'est ce que je fais depuis le début, donc ça va. Tu fais de l'intérim où ça? Weasel. Ok. Bon bah écoute, si tu peux rester là-dessus et attendre, et ben écoute, ça sera avec un grand plaisir que je te recontacte dès qu'on ouvre. Ouais, carrément. Ok. Ça marche. Et ben écoute, je te mettrai dans la liste. D'accord. Ok, ça marche, pas de soucis. Bon, du coup, normalement à ce soir, et puis si vraiment je peux pas, j'enverrai un message pour le dire. Eh ben, si vraiment tu peux pas, t'envoie un message et dans la semaine on se posera tous les deux. Et comme ça, je te ferai un petit speech. Ok. Ok, ça marche. Ça marche. C'est nickel. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Hop là. Nickel. Yep. With the news. Ok, ça on est bon. Alors, Dagmar, Brian, on était où là? On en était là. Oh le bordel. On en était là. On a Brian, Dag, Diego. Diego et là, Jill. Ah ben je l'avais déjà, bordel. C'est pas possible. Supprimer. Je l'avais déjà en fait. Je suis pas si bête. Non, pas du tout. Message. Bonjour. Nickel. Ça c'est fait. Hop. Oh là là, mais attends, mais il y a tellement de trucs à faire. J'en peux plus. tic tic tic.
Je sais même pas si j'ai mis la enfin GPS. Et ben voilà, Kim Chin Chung Trink, Trink, Brian. L'invitation va vous aussi pour Diego. Évidemment. Voilà. Hop, nickel, 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 nickel. Hop, et Mio. Ça, on a dit. Pour le. Après pour le 26, ça va, on est chill. On pourrait faire ça plus tard pour appeler les patrons. Faut que j'appelle les patrons, faut que j'appelle les le LSPD. Ah oui, la fiche à faire avec Cerise. Ok, qui c'est qui me dit ça? Ok, ok. Et cerise, 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 Mike. Elle est où? Cerise, 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 cerise. Céline. Bah. J'ai pas écrit à cerise, moi. Bizarre, ça. Weasel News. Message. Bonjour, cerise.
On peut s'y rejoindre avant. Hop là. Nickel. Hop là, ça c'est bon, c'est fait. Les patrons, je les appellerai lundi, faut pas déconner. Oh bordel. Et pareil pour l'affiche à faire. Touc. Faut que j'envoie ça, donc ça je vais le faire en HRP. Je vais faire en HRP. Des questions, on voit ça avec Ella ce soir. Okay. Et quelle heure? 17h. Ok, ça va. Nickel, je suis à l'heure. Alors 400. Là, j'ai 400 bouteilles sans alcool. Ah. Normalement, il faut pas 400, je crois. Faut pas me faire que du rhum, en fait. Ah. Non, ça, c'est pas, enfin, c'est pas grave. Faut qu'on revoie ça. On fait 400 de sans alcool à chaque fois, H ? Ouais. Attends. Ce que j'avais noté. On avait dit 200, mais ça a changé. Mathias, il a dit que ça avait changé. Yes. Alors, attends. Mais là, c'est le bordel. Là, ça va pas. Ouais. Parce que là, on a plus de canne à sucre et que le pain, il est toujours dans... Ah ouais, il est toujours... Vous êtes allé, il est toujours dans le rouge ? Vous avez combien de... Mathias, Marc, il y allait il y a une heure. Ok. Et il avait pris une claque, je crois, déjà. Et là, du coup, tout le monde fait des livraisons. Oui. Sauf qu'en fait, la canne à sucre, il la faut quasiment pour tout. On en a moins de 1000, là. Ah bon ? La canne à sucre, on en a besoin pour tout ? Quasiment, ouais. Pour tout ce qui est bière, non ? Ouais, mais les bières, elles ont... Ah putain, ouais, il n'y a plus de canne à sucre du tout, quoi. Oh là là. Ouais, en fait, oui, c'est vrai que les bières fruitées, il n'y a personne qui les a fait. Bah non, je pense qu'on peut faire un peu de bière fruitée. Quand je reviens vers 19h, je vais faire... Tout a été livré. Ouais. La vodka. On se cale une réunion pour en parler. Ouais. Yes. Et la vodka, elle a déjà été faite presque partout. Il y en a qu'un qui manque. Ok. En fait, ça va très vite de remplir les bars. Ah bah oui, mais de toute façon, je te dis, faut qu'on les remplisse plusieurs fois par jour. Mais en fait, le problème, c'est qu'entre remplir les bars plusieurs fois par jour, ça devrait pas poser de problème. Je pense qu'il n'y a pas de... Les bars, hein, au pire, ils entasseront. Mais c'est les champs, en fait. C'est les champs. Je pense que je vais dire quand même de retourner sur les champs doublons et orge, quitte à... Ils sont dans la sauce aussi. Bah oui, mais ils sont dans la sauce beaucoup, ou dans la sauce ça va ? Ils sont dans la sauce beaucoup. Oh putain, j'en veux plus. Ils sont dans la sauce beaucoup. En fait, ça fait comme les champs de pommes et oranges qu'on avait à la ferme avant qu'on demande aux jardiniers de nous changer les plantations. Ok. Je pense ça marche. Ça n'a pas été changé. Hein. Ouais. Bon, alors. Attendez. Tchouk. Il y a un parachute. Pourquoi il y a un parachute ici ? Quelqu'un a dû se tromper. Il a mis un parachute. On l'a dit tout à l'heure. Faites des bières et bières fruits. En attendant, là. J'envoie un mail à Tam. Vois avec elle. Et on fixe une réunion au plus vite. Et on se fait, j'envoie un message. Parce que là, je dois absolument y aller. Donc, j'envoie un message à Tam. Je lui demande si elle peut contacter, etc., etc. Et on tente de faire une réunion tous les 5 pour rediscuter de ça. Ça vous va ? Ouais, ça nous va. On va dire de prioriser les bières sans alcool. Est-ce que...
c'est ok pour vous si vous pouvez noter les remontées que vous avez vues, vous, etc. pour le quotidien, dans le cadre. Ouais, ok. Comme ça, à la réunion, on va pouvoir en discuter, si c'est ok pour vous. Parce que ouais. Moi, j'ai ouais. moins ça, en fait, c'est que par vous et par les équipes que j'ai remontées. Ok, ça marche. Parce que je fous rien et que je n'ai pas le temps de faire des tournées, c'est affreux, j'en peux plus. C'est le lancement, ça. Ok. Ouais, ok. Et ben, on fait ça. J'appelle Tam, je lui dis. Ouais, ça marche. Je dis ça. Okay, ça va. Merci à vous. Merci beaucoup, beaucoup. T'inquiète, y a pas de soucis. Et puis, je crois qu'il y avait un petit stock, non ? Ouais, on peut essayer d'en prendre aussi. Non, c'est bon, ils n'avaient pas demandé de faire de commande, donc normalement, il n'y a pas de commande qui risque d'arriver là, mais s'il n'y a jamais une commande, bah, vous la faites, et puis voilà, vous la notez, et bon, normal, quoi, okay. Comme d'hab. Et t'as fait une commande, toi, auprès de Sony ou pas, du coup ? Bah non, parce que j'ai pas le temps, donc soit vous la faites, sinon je comptais la faire à 19h quand j'arrive. Donc c'est comme tu veux. Mais il y a quand même encore du stock, hein, ne serait-ce qu'en levure. En vrai, c'est okay, hein. Donc okay. C'est dans 2h, hein, donc je fais ça à 19h quand j'arrive. Ouais, ouais, comme on ça, partout, hein, c'est bon. Ça marche. Et eh ben, let's go. Je suis désolée, je vous laisse. À tout à l'heure. À toutes. Bye, ça va le faire. Bon courage. Non. Terrible. Faut qu'elle change sa tenue aussi. C'est une catastrophe. Hop là. Non, j'ai pas eu peur. Nickel. H qui se cache. Hop là, pendant 2 heures. Vous m'oubliez, ok ? Alors, avant que je parte, j'ai envoyé un message à Cerise, j'ai envoyé un message à G, j'ai envoyé un message à Brian, j'ai envoyé un message à Kim, j'ai envoyé un message à Dag, à Ali pour ce soir. Je vais appeler Mignot avant de partir, parce que sinon, ça va pas le faire. Et coucou. Plusieurs choses. Je vais prendre une pause, je vais me détendre un petit peu. D'accord. J'ai contacté tous les artistes pour leur proposer pour ce soir. Jill, je ne sais pas si elle va pouvoir être là. Les autres ne m'ont pas répondu. Mais écoute, c'est pas grave. Hein. S'il y a que Cerise et nous, il n'y aura que Cerise et nous. Hein, que je te dise, hein. C'est pas très très grave non plus. Hein. C'était juste une proposition de soirée. J'ai eu Ali. Je l'ai rajouté sur l'intra, il a bien signé son contrat, je rajoute le contrat sur l'intra, il y a accès et il vient ce soir à 21h. Comme ça, on va pouvoir aussi voir avec lui en tant que nouveau. Ah, ça c'est cool ça, par contre, voilà. Nickel. Ouais, voilà, donc nickel. Toi, de ton côté, comment ça va ? Est-ce que tu as pu contacter du coup DST ? Je suis désolée, j'ai oublié. Désolée. Non, t'inquiète. Là, non, je vais le faire. Je suis en train de j'envoie un message. Et du coup, je vais regarder la compta et je vais te dire ce qui manque. Parce qu'en effet, j'ai le souvenir que Weasel non plus n'a pas donné. Ou alors c'est moi qui bug. J'ai mis à jour la compta sur mes souvenirs. Mm-hmm. La compta est la vraie, hein, celle qu'on a faite. Oui. La partie en rouge, c'est, je crois que ce qu'ils n'ont pas payé, et en vert, c'est ceux qui ont payé. Donc il me semblerait qu'il y ait Sunny qui manque. Allô. Allô. Oui, je t'entends bien, moi. Ah bah moi, je ne t'entendais pas. Je disais l'UDST et Sony, il manque. Ok. Bon, bah tant mieux. Et normalement, ça devrait être un jour, mais jette un petit coup d'œil sur la compta, d'accord ? Ça marche. Eh bien, je te tiens au courant de tout ça et on se voit tout à l'heure. Ça marche, je te dis, je reviens vers 19h. Ça a été, ça s'est bien passé au niveau du travail, quand même ? Cool. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, c'est très chiant le fonctionnement, c'est très chiant. On a beaucoup de problèmes avec les champs qui sont vraiment, vraiment trop petits. Il faut qu'on essaye de voir si on peut pas choper les champs d'à côté parce que vraiment là, on les explose les pauvres champs et ils ont pas le temps de... Ça a pas de temps de repousser ni rien, c'est très, très, très compliqué. Ouais. Et tout ce qui est livraison et tout, en vrai, ça va, mais il faut qu'on officialise tout ça dans le fonctionnement. Donc, tu vois, il y a tout ça à voir.
D'accord. Et les équipes sont en demande de ouf. Lévi, génial, incroyable. Il m'envoie ça, des. C'est vrai. Ah c'est non, je te jure. Il m'envoie des SMS en mode il y a ça, etc. Enfin, franchement, top. Très, très bien. Putain, il y a un truc qui se passe. Je suis content. Quoi? Je sais. Non, non, tout va bien, mais j'entends qu'il y a quelque chose qui se passe là. Qu'est-ce qu'il y a? T'es en train de conduire? Non. Attends. Ok. Oui. Non, ok, c'est bon. Je pense qu'ils viennent juste pour un rhume ou je sais pas quoi. D'accord. Ah, allez, tu parles des médecins? Oui, j'ai des médecins qui sont. Ils font le tour des sociétés. Toi, de ton côté, est-ce que ça donne quoi avec Alvaro? Cool. On a discuté. Il m'a dit chose qui m'a touché. Il m'a dit que tu partes ou que tu restes. Ça n'empêcherait pas de nous voir. Et ça me donne même envie de doubler maintenant les commandes deux par mois. Au niveau de Los Santos Event, histoire qu'on puisse se voir plus souvent. Ok, c'est cool. Il y a ça. Et dans les raisons de pourquoi je suis parti, j'ai dit moi, j'ai des motards qui partent là-bas. Et j'ai Tam Tam avec qui je. Et HB avec qui je sors. Et du coup, il m'a dit un truc très drôle. Et du coup, j'ai bugué. Et du coup, il a fait une Alvaro, quoi. D'accord. C'est-à-dire. Je te le dirai un peu plus tard. Faut que je me remette des émotions. Hein D'accord, ça marche. Ça marche. Oui. Et du coup, on pourra t'embaucher demain. Du coup, c'est ça? Oui. Oui. Tu seras le dernier à être embauché et après, on n'embauchera plus personne pendant encore quelques jours. Je suis navrée pour ton prospect, mais là, ça, on ne peut pas tout gérer là. J'ai bien noté. Tu pourras m'envoyer son numéro de téléphone, s'il te plaît. Je vais le noter. En fait, je vais faire une fiche avec ceux qui ont déjà demandé parce que Ali aussi aimerait bien revenir. Donc, je vais essayer de noter un peu toutes les personnes qui ont déjà manifesté leur intérêt dans les prochains jours. Mais pour l'instant, ça va pas être possible de prendre une personne en plus. D'accord. Il y a pas de souci. Je lui dis. Au moins qu'il sache. D'accord. Ouais. Désolé. Tu dis que ça va venir, mais que là, pour l'instant, on a besoin de gérer d'abord nos premières équipes, quoi. Ok, un problème, je comprends. Okay. Il comprendra, t'inquiète pas. Ça marche. De toute façon, il a pas le choix. Bon, oui. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Je t'embrasse. Ouais. Ok. Eh ben, parfait. Eh ben, écoutez, messieurs, dames, je suis sur mon petit toit perché, là. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure, je ferai une petite pause qui s'impose. Dormir, manger, faire les trucs et elle aussi, répondre aux mails. Et puis, à tout à l'heure, 19h du coup, je reviens. À plus tard.